hier, j'ai été vraiment gentil. Allez, le stream est lancé. Parfait. Hop, on va remettre la musique dramatique. Bien, donc... Hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Beaucoup de choses. Vous étiez à Beyrus, vous avez rencontré certaines personnes du village, vous avez compris que le chef du village, pas le doyen, n'insistait pas vraiment pour que vous restiez. Hein, il vous a offert ce que vous demandiez et vous a limite poussé vers la sortie. Et après enquête sur le village en lui-même, vous avez découvert qu'il y avait des animaux dans les résidences. Chose un peu bizarre, étant donné qu'il y a une étable faite pour. Eh oui. Et entre certaines déductions, avec les talents de Daywin avec les animaux, et les talents diplomatiques de Sunetra pour la discussion qu'elle a eue avec le tavernier, vous avez fini par apprendre, ainsi qu'à la miraculeuse discrétion de Brague, hein, pour ouvrir au cochon. vous avez pu découvrir que, oui, des villageois étaient bien changés en animal. Suite à une malédiction, une sorcière, quelque chose, en échange de la vie d'enfant. Sunetra a donné sa parole au tavernier comme quoi elle reviendrait. Ça ne vous engage pas vous, mais elle reviendrait pour essayer de régler ce problème et faire en sorte que le village redevienne ce qu'il était avant. Ensuite, vous êtes allé en vous levant le matin, vous avez reçu un message d'Ombre Mouvante qui vous a dit de venir vite parce qu'ils allaient partir, ils allaient passer à l'action après avoir repéré la cible. Et lorsque vous êtes approché, vous avez remarqué qu'une énorme fumée épaisse noire s'échappait du quartier. Et quand vous êtes arrivé, vous n'avez vu que incendie, massacre. Et personnes en danger avec des démons et des élémentaires de feu qui se battaient et massacraient tout sur leur chemin. Sur les dernières actions, nous avions le forgeron au sud-ouest de quartier qui était bloqué sous une poutre voulant sauver sa fille de l'incendie. Fille qui a été balancée par la fenêtre par Daywin héroïquement. Elle n'a pas oublié d'ouvrir la fenêtre. Ouais, voilà, elle n'a pas oublié d'ouvrir la fenêtre. N'oublions pas que c'est non létal. Nous avons eu Brague qui a coupé en deux quelques démons et qui a fait des va-et-vient. Il allait à la bibliothèque, s'est assuré que la bibliothécaire de jour était bien morte. C'est parfait, il est content. et que son ami de nuit, ben, pour l'instant, est porté disparu. Il ne sait pas encore l'état dans lequel il est. Et il laisse Henri s'occuper de l'élémentaire de flamme avec le capitaine de la garde. Pas mal de gardes ont sombré face à ce combat. Il y a aussi un chasseur. Oui, il a eu un message de Dieu. un message de Dieu, parce que suite à une illumination, il a entendu une voix « Viens m'aider à la forge !» Et du coup, pensant que c'est un message de sa déesse, il accourt, fidèle tel qu'il est. Alors, attention, je n'ai pas dit à la forge, hein, j'ai dit chez le forgeron. Oui, chez le forgeron. Oui. Encore faudrait qu'il se rappelle où est la maison. je plaisante. Et concernant Sunetra, qui est partie au nord, elle a apporté son soutien à la petite escouade qui fait partie de votre organisation secrète. Dernier silence, Tornade déchaînée et Cosmos leur a transmis des boucliers, les motivés à essayer de sauver les gens des décombres. Seulement, il était déjà trop tard. Heureusement, le boulanger et le boucher qui étaient en train de se battre pour aider vos amis sont blessés et ont réussi à échapper à la bataille.
un démon est tombé, et en revenant en arrière, elle a entendu des appels à l'aide de ce qui semblait être la poissonnière, et lorsque la poissonnière a voulu l'embrasser, elle l'a détourné la tête et a refusé ses avances, l'a fait monter sur son cheval, et c'est à ce moment-là que la poissonnière était en fait une succube déguisée. Bien. Super. Bien. Maintenant, cela va être aux ennemis de jouer, il me semble. Donc, pour commencer, on va verser un peu les... Bah, tu sais quoi, faites-moi un G, on va refaire une nouvelle initiative pour l'ordre. Ok. Hop là. Okay. Uniquement MJ ? Non, vous pouvez le mettre en ouvert, c'est juste savoir par qui je commence. Initiative. Bien. Voilà. Dans ce cas-là, commençons par Daywin. Donc Daywin, tu es toujours en train d'essayer de faire levier avec cette pauvre chaise qui a commencé à prendre feu à force d'être utilisée comme levier. Qu'est-ce que tu décides d'entreprendre ? Ah, déjà, je vais arrêter d'utiliser la chaise hein, si elle prend en feu. Hein, je vais pas... Oui. Je te laisse réfléchir à. En attendant, vous réfléchissez à ce que vous allez faire pendant qu'elle réfléchit aussi à son tour. Je te laisse un instant toi-même pour te remettre dans le bain. Pas regarder ton inventaire, tout ce qui t'entoure, ou même les gens qui t'entourent aussi. Peut-être tu peux utiliser la petite fille comme levier, c'était une proposition d'hier. Une potion de force. Alors, j'ai une potion de rétrécissement, mais je crois pas que ça va... Rétrécir le forgeron. Ah mais oui, attends. Ça peut peut-être marcher ça par contre. Je sais pas si ça marche, mais c'est... Alors... ça se tente quand même. Attends, cette potion a un goût de champignon agit contre... comme les effets de sang rétrécir. Ça se passe mal, il est mort. Pour apprécier votre personnage et votre équipement, une fois le délai écoulé, vous restez petit pendant 10 minutes. Eh, je peux faire ça en vrai ! Il va rester petit pendant un petit moment, mais c'est pas grave. Regarde. Eh bien, si tu décides de faire ça, tu peux link la potion dans le chat et... Ça y est. Voilà. Donc maintenant, tu peux faire... Eh ben, je lui fais boire. Voilà. Tu lui fais boire, très bien. Donc, lui ne va pas batailler parce qu'il comprend... que tu cherches à l'aider, bien entendu. Donc il est d'accord pour boire la potion. Et il voit ses mains devenir des mains d'enfant, puis ses bras, ses jambes. Et il se retrouve à faire la taille d'un alphelin. Donc il nage dans ses vêtements. Il se retrouve nu, mais tout petit. Nu, il y a ses vêtements quand même, même s'ils sont devenus trop grands. Il rentre plus dans ses vêtements, ses vêtements sont comme des draps. Et bah c'est pas grave, c'est pas très grave parce que du coup ses vêtements qui font un peu drap, je vais pouvoir l'envelopper, le prendre à bras et me barrer avec. Bah du coup c'est vrai que maintenant il est beaucoup plus léger, puisqu'il a rétréci, les jambes ne coincent plus la poutre et comme elle est, si tu veux, un peu en diagonale, elle s'est effondrée d'un côté. Ses jambes passent dessous, ouais. Donc tu vas pouvoir maintenant le tirer. Et ben je vais le tirer et me barrer, enfin essayer de me barrer par la fenêtre en le prenant. C'est bizarre de voir ta petite fille aussi grande. Il faut quand même que tu le transportes parce que ouais. Même s'il est petit, il est tout de même lourd. Alors... Parce que bon, faut le porter quoi. Mm-hmm. C'est pas comme l'enfant qui... Voilà, non, enfin disons que ça change son poids aussi, il me semble. Oui, oui. Mais c'est juste que c'est pas comme l'enfant où elle marche d'elle-même et tu sais, elle avait juste à la pousser un peu et puis c'était une jeune enfant. Là, c'est un alphelin adulte. Il a diminué d'une taille. Donc, du coup, il fait un alphelin, ça pèse quand même 40 kilos, tu vois. Faut se transporter en sachant que ses jambes sont brisées. Oui.
Ah, mais c'est un alphelin que t'arrivais pas. Bouh. Oh, ah là là. En plus, donc fais-moi, s'il te plaît, un jet d'athlétisme, en sachant que je rendrai le jet plus facile parce que on n'est pas sur un homme adulte. Ok, ouais, t'as pas de bonus, c'est pour ça. Ouais. Ok. Donc ses vêtements diminuent. Donc tu peux le traîner jusqu'au lit. Après le porter, c'est difficile. Mais déjà tu l'écartes un peu plus du danger. Seulement beaucoup de fumée commence à rentrer dans tes poumons. Tu vas perdre 8 points de vie. Ok. Et ceci maintenant à chaque tour, ce sera de plus en plus. Je peux pas bouger. Oui, en pause. Tout à fait, c'est bon. Donc tu arrives à le traîner, à l'extirper. S'il veut bien. Merci. Hop là. Voilà. Donc là, bah, maintenant, il te reste une action. Est-ce que j'ai réussi à le mettre sur le lit ou j'ai juste extirpé de l'endroit où il était? Est-ce que j'arriverai à le glisser au moins sur le lit et moi à passer moi par la fenêtre? Au moins, il n'y aurait plus qu'à le tirer, tu vois. Comme ça, je pourrais demander à sa fille de m'aider aussi, même si c'est une petite fille à deux. Gamine, elle a 8 ans. Elle a 8 ans, mais je me dis qu'à deux, c'est... Elle va pas ajouter beaucoup de force là-dedans, quoi. Mais bon. Ouais. Ouais, mais tu sais, pour tirer. Oui, oui. Dis-moi, s'il faut que je fasse un G. Ah, vous deux, ça va être difficile. Tu aurais une autre personne adulte, oui, mais là... Ça ne suffira pas. Est-ce que je peux déjà au moins le mettre sur le lit près de la fenêtre? Tu peux le mettre sur le lit. Ok, comme ça, moi je glisse par la fenêtre et lui est sur le lit, tu vois. Il n'y aura plus qu'à attendre. L'homme bien sûr, fort, il hurle de douleur, fort, hein, parce que oui. Ses jambes sont brisées quand même. Ah oui, mais bon, il vaut mieux avoir les jambes brisées que mourir. Donc... De la nuque. Ouais, voilà. Ok, donc tu termines ton tour comme ça ou tu veux essayer d'entreprendre autre chose? Non, bah, je vais attendre. Là au moins, il est près de la fenêtre, tu vois. D'accord. Je vais dire à la petite fille de bouger et d'attendre l'orque bleu qui va arriver et de l'amener dans cette ruelle. D'accord, donc elle va accourir. De se poster devant la maison, quoi. Voilà, elle va se poster. T'es sur elle là. Ouais. Voilà. Ok. Oups, pardon. Donc elle va courir ici. Et ensuite, donc, c'est au tour de Sunetra. Avant cela, parce que j'ai dit que je ferais jouer les ennemis, mais je les fais même pas jouer. Hein. Donc, la succube est derrière toi, accrochée à toi. Et elle va te susurrer des mots à l'oreille en te disant « Rien ne sert de batailler ». Reste avec moi. Reste on est pas avec bien moi. Là. Oui, reste avec moi. On est bien là, toutes les deux. Et donc tu vas devoir faire un jet de volonté suite au sort de charme qu'elle va te lancer. Okay. C'est celui-là, ok. Ok, c'est raté.
Ok, donc tu es maintenant amical avec la succube et tu deviens serviable. Tu ne peux pas utiliser d'action hostile contre elle. Ok. Voilà. Tant qu'elle n'est pas hostile avec toi, tu ne peux pas faire d'action hostile contre elle. Ok. Voilà. Par contre, tu n'es pas à son service. Ouais, j'ai compris. Voilà. Donc là, maintenant, c'est à toi de jouer. Première action. M'entends? Oui, je t'entends. Ouais, j'ai juste dit eh ben allons-y et j'ai avancé tout droit à cheval. D'accord. D'accord, très bien. Je vais mettre la succube à côté de toi. Le but du jeu, je t'avoue, c'est que je me sens pas capable de la taper, mais je sais que peut-être d'autres gens pourront le faire pour moi. Voilà. Je vais avancer tout droit. D'accord. Et je t'avoue que je suis là aussi pour aller regarder les entrepôts, voir s'il n'y a pas. Enfin, je cherche. Je suis devant Brag, je peux déplacer la succube. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc t'as fait trois déplacements. Brag, c'est à toi. 4, mais ok. Ouais, 4. J'ai une question, parce que je viens de lire un truc. Au niveau de l'équipement, quand on a le câble de force et tout, les pénalités, on les a ou pas? Attends, j'ai pas compris. Bah, par exemple, en moi, tu vois, je suis censé avoir moins 10 de pénalité à la vitesse, sauf que je suis censé avoir la force nécessaire pour le porter. Oui. Donc je les ai pas, les pénalités. Non, tu les as pas. Sauf que sur ma vitesse, en fait, j'ai des bottes de saut qui me donnent 1,50 m de bonus. Et quand je me passe la souris sur ma vitesse, j'ai au sol de base 25, parce que c'est en pied, hein. Et j'ai bottes de saut plus 5, harnois moins 5. Donc ça revient juste à annuler l'effet des bottes en soi, tu vois. Mais normalement, le harnois, c'est du moins 10. Donc, est-ce que il y a une règle que je connais pas ou que j'ai pas comprise ou... Sur le harnois, tu Bah, j'ai regardes essayé de le normalement. lire, mais j'ai rien vu. Je vais vous le link. Ouais, finalité armure au test, finalité à la vitesse, t'es pas surchargé. Ouais, après, je me demande parce que le truc c'est que la pénalité du harnois elle est de moins 10. Je me demande que si d'après les règles. Ça c'est une hypothèse. C'est pour ça que j'ai dit Est-ce aussi. qu'il te diviserait pas la pénalité de vitesse par deux parce que t'as la force requise? Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit peut-être que c'est une règle que je connais pas, je sais pas. Je sais pas non plus. Ok, Je, mais pour le on va coup. considérer que j'ai ma vitesse habituelle. Bah. J'ai pas de potion, j'ai rien. Parce que c'est ce que j'étais en train de regarder en fait et je suis tombé dessus. Bah, je vais continuer ma course vers la maison du forgeron. D'accord. Je vais vérifier un truc. Excuse-moi. Ça m'avait un peu interpellé le truc de. Ok, bah ouais, je vais continuer ma course. C'est quand? Alors attends. C'est quand ça devient rouge que t'es à ta limite de déplacement pour un tour, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est au premier carré rouge ou... Non, c'est avant.
22, en 50, fait, ouais, c'est ça. Ouais, non, en fait, si vous atteignez, c'est écrit, si vous atteignez le score de force de l'armure, vous réduisez le malus de 1,5 mètre. Ok, donc oui, c'est ça, c'est divisé de moitié. Parce ouais. que là, c'est compté en feat, donc c'est pour ça ouais. que c'est moins simple. C'est le livre de règles, donc c'est ça. Bah, j'ai utilisé mes trois déplacements. Même pas, tu m'as vu. Je suis ébloui. Tu veux que je vois quoi? C'est vrai qu'il est ébloui. L'éblouissement, il est censé finir à la fin de mon tour là. C'est nul. Ah bah oui. J'aurais bien voulu te voir, hein, mais je vois rien. Oui, en fait, toutes les créatures qui l'entourent sont considérées comme masquées. Donc il aurait même pas vu que t'avais une succube derrière toi. Oui, il aurait vu juste avec quelqu'un à cheval, quoi, c'est tout. Exactement. Du coup, tu n'es plus ébloui. Et c'est au tour des PNJ. D'ailleurs, on va tirer un dé. Ok. Et pour elle. Ok. Henri. Ok. Paf. Allez, on peut toi s'il te plaît. Merci. Paf, ici y'a rien. Et là-haut. Paf. Là. Voilà. Ça c'est bon. La succube qui est toujours derrière toi, elle va allez s'il te plaît ouvre-toi la fiche. Merci. Elle va te lancer un sort. Tu vas devoir faire un jet de volonté encore une fois. Par contre, ouais. Oui. J'ai un truc, je viens de m'apercevoir. Je suis désolé. Ah non, attends. Semblait. Volonté. Oui. Non, parce qu'en tant que tiflin, il me semblait que j'avais un bonus contre une connerie comme ça, mais.
Enfin, je sais plus quel style de sort. Je vais regarder, mais c'est pas important. Tac, tac. C'est raté. Ouais, bah ouais. C'est un échec critique. C'est un échec critique. Oh oui. Donc, tu ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose, voilà. C'est, je peux pas t'en dire plus. Elle va prendre les rênes du cheval et tenter de le rediriger en arrière. Donc tu perds quelques mètres. Okay. Après le cheval il se laisse faire. Il est tiré, donc enfin on le fait tourner en fait. En tirant sur le renne gauche par exemple. Ouais mais je veux dire c'était pas le cheval de. De ce cheval, c'est son cheval, donc il est habitué à elle, tu vois. Enfin, les chevaux en général, surtout les chevaux entre guillemets de guerre, ils vont pas se laisser manier par quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais, mais elle est sur son dos, enfin, c'est. C'est particulier comme situation quand même. Parce que c'est comme les chevaux des flics, tu vois. La garde montée, typiquement, quelqu'un va choper les rênes du cheval, il va se prendre un coup de sabot, même s'il fait. Oui, mais on parle de quelqu'un qui est à pied. Là, elle est sur le dos. Et genre le cheval, c'est juste à la tirer d'un coup sur le renne, le cheval a compris qu'il fallait tourner. Ah, la succube est sur son dos. Oui. Oui, oui. Ah, j'ai cru que la succube marchait à côté. Non. Elle est derrière Sunetra, en fait. Ok. Donc du coup, en fait, le cheval a juste tourné et a avancé un peu, mais... La succube était à pied, en fait, et qu'elle lui avait juste chopé les rênes. Non. Ok. C'est à vous, Daywin. Eh ben... J'avoue que je suis à court d'idées. Ouais, non, ça sert pas à grand chose, ça. Ouais, je vais retenter de le glisser au niveau de la fenêtre, quoi, de le tirer. Allez, athlétisme. Ouais, de toute façon, au niveau potion, pas grand chose qui pourrait m'aider. Non. C'est beaucoup trop lourd. Tu ne sais pas si c'est pas la fumée qui occupe tes voies respiratoires et donc tu arrives pas à respirer, à avoir les efforts conséquents pour. Mais non, t'y arrives pas. Je vais lui dire de tenir bon, que quelqu'un arrive, et je vais attendre Bragg en vrai. Je peux rien faire de plus, je pense. D'accord.
je vais crier « Aidez-moi !» Ah, enfin une action utile. Il n'y a pas cette force. Bah oui, mais t'as des gardes pour procéder. Non, il est mort, le garde qui était près de moi. Oui, il est mort, le garde, mais il y a d'autres gens autour de toi. Bien. Sunetra. Je peux faire ce que je veux, ou... Oui. Sauf si c'est à l'encontre de la succube. Non, non, mais j'avais bien compris, non. Je veux lui transpercer l'œil. Ah. C'est... Ça ne marche pas. Je me mets à côté d'Henri et je lui demande s'il a vu ma femme. Oui, chef. Bah, ok, il va te répondre en disant je sais pas qui c'est ta femme. Et en dernière action, je vais soigner le... Le capitaine de la garde. Ok. Quand Henri te regarde et te dit je sais pas qui c'est ta femme, il regarde derrière toi et il est pas choqué. Et il reprend le combat en fait. Ouais bah. Elle est camouflagée. Je te laisse faire ton jet de guérison. Ah oui. Soin. Très bien. Brax, c'est à toi. Moi, vu que Dieu m'a parlé, je vais continuer ma course. Hein. Parce qu'on est d'accord que là, je vois. De toute façon, je les ai pas vus en passant, donc il n'y a pas de raison que je me retourne. Ici. Donc, bah, je continue la course. Vers la casa de monsieur le président. Bien, bien, bien. Donc après l'appel à l'aide d'Aywin, tu entends une porte s'ouvrir et tu vois Alice qui sort de la forge. Ah là là, JPP, elle m'aura fait bouger pour rien. Et qui vient t'aider pour soulever le forgeron. Merci Alice. Bon, on va le tirer à deux. Hein. De demander de l'aide. Bah ouais. Du coup, tu peux faire un jet d'athlétisme avec un bonus de plus 5. Ok. Fais pas un, s'il te plaît. Fais pas un, non. Là, je fais... C'est pas vrai. Ah bah, fais pas ton genre caché. Comme ça, la prochaine fois, tu sauras. Tu l'as tué. Non, t'as pas fait un si tu l'as pas tué. Mais bon, c'est quand même un jet ridicule. Du coup, même à deux, vous n'y arrivez pas. Sérieux, quoi. Au secours. On est deux, on n'y arrive pas. Oh bordel. Sur moi j'ai une corde. Est-ce que on pourrait peut-être l'attacher et le tirer avec la corde? Ça changera rien au niveau du poids, mais je me dis que tirer une corde à deux. Je sais pas. Ça peut se tenter. T'as
attache une corde. Autour de sa taille, enfin en dessous de ses bras. Il a vraiment l'impression d'être un gros sac à patates. Et pourtant, je vais donner une fiole pour le rapetisser. Ouais, bah, un gros sac à patates petit. Vous l'attachez avec une corde et vous vous remettez à tirer. Ouais. On refait un jeu d'athlétisme. fais pas un 3 cette fois-ci. Avec une circonstance, avec un plus 5 encore. Oui, le plus 5, comme tout à l'heure. Oui, puisque l'autre est toujours en train de t'aider. Alléluia! Et je te jure, au prochain tour, il cramait. Oh non! Vous arrivez enfin à l'extirper! Ah! Je suis venu. Bravo! Pour rien. Oui? Je suis très heureux. Mais c'est pas grave. Hé, hey, vous, l'orc là-bas, il y a mon papa, allez récupérer plus bas! Quand ça sera voilà. Mon tour, je suivrai la direction. Hein. Ouais. Voilà. Bon, avec Alice, on va essayer de le tirer un petit peu hors de la ruelle, quoi. Vers là-bas. Oui, bah après, bon, elle va s'en occuper, elle va réussir à le trimballer, y a pas à s'en faire. Hein. Elle a une charge de 40 kg, ça peut le faire. Ensuite. Bah c'est bon pour moi. Hein. C'est bon pour toi, oui. Okay. Allez, s'il te plaît. Le jeu qui est en PLS. What? Ah mais non, merde. J'ai fait une connerie. Tu l'as tué. Non, c'est parce que j'ai oublié de lui mettre le bon nombre de points de vie aussi. Voilà. Fait. Aïe, qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà, merci. Donc, Sunetra, tu vois un chasseur près de toi qui était en train d'affronter un démon qui vient de sombrer et de mourir. Mais il était si mal en point que ça? Ouais, le chasseur qui était sur le côté, oui. D'accord, quand j'avais checké, je croyais que c'était le capitaine le plus blessé, mais ok. Pour info, le capitaine de la garde, il a plus 2 à toutes ses saves contre les effets mentaux. Ok. C'est mon sort de sang, il donne ça en plus. Je dois faire, ok. Putain, lui, il veut pas crever par contre. Ok. Elle. Non, c'est. Oui, non, c'est ça, elle meurt. Paf. Très bien. Fin du tour des. Il manque la succube. Alors. Qu'est-ce qu'elle va faire la succube? La succube va tenter un sort de charme sur Henri.
Alors Henri. Combien il va faire? Ça ne passe pas, donc il sera amical avec elle. En sachant que lui ne voit pas la même chose. Et puis, avec une action, avec une action, elle va rien faire, elle va rester là tranquillement. Ça se passe bien pour elle. Du coup, c'est à vous de jouer. Donc, Daywin de nouveau. Vu que la situation est entre guillemets. Ah, mais tu t'as fait des déplacements là. T'es passé de là à là. Bah oui, il me restait un. Je l'ai tiré. Oui, deux tu fois. L'as tiré, tu l'as attaché à une corde et tu l'as retiré. Ah oui. Eh oui. Ouais, c'est vrai. Bon bah, du coup. Tu peux faire ton tour. Du coup, je vais devant la maison. Vu que la situation est un peu réglée. Je vais aller voir où je pourrais donner un coup de main. Il y a Ariane à gauche, je pense. Je tourne la tête pour regarder. Non, à gauche, la ruelle est vide. Enfin, elle est jonchée de cadavres, mais c'est une autre histoire. Ouais. Non, bah, je vais retourner par là-bas. Et okay. Oh, Brag, t'as reçu mon message. Ah, c'était toi? Oui, mais du coup c'est réglé, c'est bon. On a réussi à extirper avec Alice le forgeron. Je vais te regarder mi-soulagé, mi... Ça me gonfle un peu, tu vois. Mais par contre, il est dans un état pitoyable. J'aime bien que moi, lui, ça. Donc... T'es pas venu totalement pour rien. Voilà, c'est vrai que t'es pas venu pour rien parce que je peux apporter ton aide. Ah, c'est bon. Clairement, il a les jambes brisées. Hein. Étant donné qu'il est dans un état pitoyable, je vais aller le voir. Il est avec Alice là-bas. C'est la réelle. C'est mon tour de jouer ou c'est non, c'est pas mon tour. Ça va être ton tour. Oui, oui, c'est ton tour puisqu'elle a fait ses déplacements. Ouais, mais c'est sous les traps. Et du coup, moi, je remonte vers le nord et je vais voir si je peux aider vers le nord. Allez, Sirius. Ouais, bon, calme-toi au niveau déplacement par contre. Ça fait trois là comme ça. Et ouais, parce que j'ai vu du jaune sur ton dernier déplacement, c'est pour ça. Attends, j'étais où? J'étais là. moi je vois que du violet, pourquoi? Ah non, ah oui, jaune il est là. Ah oui. Donc là, comme ça. Hop. Fait de gruger des maîtres, dis donc. Est-ce que je peux bouger? Non, Sirius peut pas bouger du coup. Bien sûr que si. Ah. Fais attention, tu vas manger des fours dans ta gueule. Bon voilà, je demande à Sirius de me suivre et puis je partirai vers le nord. Bien, voilà. Souhaitera. J'ai le droit de descendre de mon cheval ou elle m'en empêche? Tu peux descendre de ton cheval. Non. Il y a aucune action hostile, hein, donc tu fais ce que tu veux tant que c'est rien d'hostile envers elle. Et elle ne peut pas te faire d'action hostile contre toi, sinon elle rompt le sort. Ok, et ça durera ad vitam. Ad vitam aeternam. C'est pendant une heure. Ouais, c'est ça, ad vitam aeternam. Ok. Voilà. Sauf si elle décide de rompre le sort et de te buter. Ouais. 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 Raté. C'est un critique, oui, c'est bon. Non, c'est bon. C'est juste un raté. Bah, je vais essayer de me... de faire mieux. Bah là, c'est un critique, par contre. Oui, là, c'est un critique. Je vais cliquer sur le petit pouce en bas. Et donc, corps à corps, tu es fatigué. Ok. En même temps, hein, vous avez voyagé et tout ça, c'est normal. Et ça veut quoi d'être fatigué? Fatigué. Faudrait que je reprenne mes fiches. -1 à ma TA, à mes jets de sauvegarde,
Quand vous explorez, vous ne pouvez pas choisir l'activité d'exploration. Et ça partira quand j'irai me coucher. Cool. Ah, okay. Voilà. Et bah, c'est tout, fin du tour. Ok. Brague. Bah, je vais aller voir l'état de monsieur Forgeron. Il est par où? Il est à côté de l'assiette. Je vois pas son token. Si c'est lui, non, c'est possible. Par là, tu peux faire un déplacement les uns après les autres. Je suis à tout pile 2. Oui. Bah déjà, vu qu'elle m'a dit qu'il avait des jambes, les jambes cassées, je vais utiliser les attelles et les bandages de mon sac pour lui immobiliser les jambes et stabiliser la situation à ce niveau-là. À distance? Bah, tu m'as dit qu'il est là. Oui, non, mais il n'est pas là, là. Mais ce que je veux dire, c'est mets-toi là et tu vas le voir. Il est là. C'est pour ça, j'avais pas compris. C'est ça, je disais, je voyais pas son token. Ah non, pas à distance. Bah, au prochain tour, du coup. Je vais juste me rapprocher dans ce cas-là. Oh, merci. Bon, ce sera au prochain tour. Très bien. J'ai utilisé mes trois actions. Ok. Maintenant, la succube va descendre du cheval. Elle va faire le sort de dominance sur Henri. Enfin, domination. Qu'elle se fasse pas cramer les ailes, hein. C'est dangereux de s'attaquer à notre Henri national. Hein. Ouais, ouais, mais ça serait dommage que Henri se retourne contre vous. Hein. Bah oui, c'est dangereux dans les deux cas, je dis pas. Hein. Alors, il doit faire un jet de volonté. Sa seule volonté est de tuer les démons. J'ai oublié de mettre le bonus. Ouais. Ça fait combien? Attends. Parce que là, je vais pas retirer le dé alors qu'il a fait mon jet quand même, ça serait salaud. Oh, il résiste. J'avoue qu'on voit rien donc. Oui, oui, non, mais c'est normal. Il résiste à son sort de domination. C'est une très bonne chose. Mais du coup, ça révèle pas sa vraie nature le fait qu'elle ait tenté de lui lancer un sort? Parce que c'est quelque chose d'hostile quand même. C'est une mise hors combat. Composante. Ah, ça oui, reste ça une action. Ça révèle. Est-ce que ça révèle. Je sais pas. Bah, aux yeux d'Henri, étant donné qu'elle a fait. En fait, il était amical avec elle, mais elle a tenté une action hostile contre lui. C'est vrai. C'est considéré comme une attaque. Même si ça n'inflige pas de dégâts. Que nous, on le voit pas, tu vois. Enfin, je veux dire, elle nous a rien fait à nous, mais lui, elle l'a directement ciblé pour le coup. Donc, du coup, Henri est étourdi 1. Donc il aura une action en moins, mais elle révèle son vrai visage. Voilà. Il lui reste une action, vu qu'elle sait qu'elle est grillée, elle va l'attaquer. Ça touche. Voir lui les couilles. Ouais. Ça touche, ça touche. Et paf. Ok. Ensuite. Bien sûr. Henri va attaquer la Samalande pour essayer d'en finir. Qu'est-ce que ça touche? Non, ça touche pas. Ah, mais il y a la prise en tenaille, je l'ai pas prise en compte, donc ça touche. Oh putain, il lui reste à peine.
Donc là ça va pas, mais c'est pas un échec critique. Là. Et la salamandre, elle va quand même. Oui, t'as pas le capitaine de la garde ? Si, si. Pauvre bidon là ! Ouais, mais bon, le capitaine de la garde, il pue la merde un peu. Il est capitaine. C'est dommage pour un capitaine. Bah ouais. C'est clair. Ouais, mais il pue la merde. C'est ma faute. Ils embauchent des pecnors dans ce, dans cette ville de mort. Ouais, mais c'est pas ton faute, il fait des jets pourris à chaque fois. C'est le contraire. J'ai dit qu'ils embauchaient des bras cassés dans la ville. Ah! Peut-être que. Ne construis pas trop d'espoir en lui. Ah, mais voilà, il suffisait qu'on le critique pour qu'il achève le salamandre. Voilà. Ah, voilà. Il faut le piquer un peu là, c'est bon. Moi qui lui ai tout appris. Bon, il reste, les petits démons par contre. Le caco-démon va chercher à te boulotter le cul sous des traps. Oh, je suis jaloux. Il fait 14. Pas d'action. Je crois que ça ne marche pas. C'est un échec critique. Non, c'est un échec. Ah ouais? Ah oui, il y a une tenaille. Non, sans même parler de la tenaille, je suis fatigué, j'ai moins 1 à la serre. D'accord. Lui, il est en train de dévorer le corps. Mais oui, il y a aussi la tenaille. Là où, comment ça se passe? Je sais pas, ils m'ont dit que ça allait. Apparemment, ça va pas si bien, mais. Allez. Ah, ça, c'est un bouger. Donc vous savez pas ce qui se passe, mais il y a eu un mort. Ah mais t'étais trop heureux, ça doit être un garde. Ouais, si on peut plus charger de la MJ. Hop, voilà. Parfait. Très bien. C'est à vous. Ah, j'ai pas fait le tour des blessés. Est-ce que le clochard va mourir cette fois-ci? Putain, il fait que des doubles, cet enculé. Le sans-abri qui veut pas mourir. C'est Crazy Clochard. En fait, c'est Crazy Clochard, il veut pas mourir. Ok. Ok. Bien, mais c'est à vous. Daywin. Bah moi je vais continuer de monter vers le nord, voir s'il n'y a pas besoin d'aide. S'il n'y a pas besoin d'aide par là-bas. Hop. En passant voilà. Ici, je regarde à droite si je vois rien. Oh lolo. En passant à droite, tu cherches à voir regarder où ? Dans la rue là-bas à droite, voir si y a pas d'autres monstres à buter, d'autres démons. Tu vois que ça se bagarre. Ça se bagarre là-bas là. Ok. Bah du coup, je vais aller voir là-bas. Mais je peux plus me déplacer, je me suis déjà déplacé à je crois. Ok. Sonetra. Tu viens de voir la salamandre s'effondrer, éclatée par le chef de la garde. Je reprends mon souffle, tu vois. Je donne un coup de rapière sur le petit démon là, qui essaie de m'attaquer. Un peu genre en réflexe, tu vois, genre. Pour réussir une critique.
Voilà. C'est ça qu'on veut. Faut bien réguler. Contre, ça vient. Voilà. Tape en quoi ? Perforant. Dégâts normaux, la cible déclenche la réaction comme si elle venait d'utiliser l'action mouvement. Et aussi prise au bout de pourvu jusqu'à la fin de son prochain tour. De toute façon, je crois que tu la tues avec les dégâts. Ça coupe pas ou une rapière ? Non, je crois que c'est, c'est automatiquement en perforant, ouais. Ah, je sais pas, je pensais que c'était tranché. Elle est morte ou pas ? Bah, t'as fait tes dégâts ? Bah non, parce que je pensais que ça allait les faire quand je vais appuyer sur les dégâts, mais ça fait pas. Non, faut le faire depuis la fiche. Oui. Dégâts. Paf. Oh putain, j'ai fait la connerie. Ça lag à chaque fois qu'il y a un truc qui meurt. Oui. Bah, vu que la bestiole, tu la perfores comme un gigot au bout d'une broche. Bah, vu que je suis content parce qu'il n'y a plus d'ennemis ici, tu vois, je vais voir le sans-abri et je vais le soigner. Si, il en reste un. Il reste un ici, un démon. Je l'ai pas vu, il y avait Henri. Un coca démon. Un coca. En vrai, je l'ai pas vu. Ok. Donc tu soignes le sans-abri, je sais pas si tu restes une action. Une action suffit pour le soigner, je sais pas. Bah, j'ai fait. Première action, je l'ai tapé le démon. Deuxième action, je suis venu là, il me reste deux actions. Je peux quand même le soigner. Je soigne de. Je soigne de 11. Et je lui donne plus 2 à son courage par les bonus mentaux par rapport à tout ce qu'il voit. Eh ben. C'est un clochard d'élite. C'est crazy clochard, on t'a dit. Et je lui dis de, d'aller se réfugier vers la boutique à Paco. Ok. Très bien, très bien. Brag, pour finir. On va soigner Jean-Michel avec la telle. Déjà, je lui mets la telle, donc ça me prend un tour. Ça va bien me prendre un tour complet, je pense. Oui, ça pour mettre une action, quoi. Oui, quand je dis un tour, pardon, une action. Attelle et bandage. Je vais essayer de lui rendre quelques HP avec de l'amitié. C'est quoi déjà cette merde? Attends, je suis un peu paumé hein, sur un bail. Et je suis pas trop soignant d'habitude. Je suis celui qui fait les dégâts. Alors attends, tac. Il n'y a plus de porte. Je vais. Je vais soigner l'apprenti forgeron en même temps qui est à côté, puisque je vais utiliser ma médecine militaire et je peux soigner plusieurs personnes en même temps. Ok. Faites un test de médecine avec le même DD que soigner les blessures. Et les blessures, faut que tu choisisses le DD en fonction de comment tu le choisis. Ouais, je suis en train de regarder. Un peu beaucoup moyen. Alors j'ai quoi? J'ai ça. Je vais faire la place un test de départ pour augmenter 10 les points de récupérer. Si vous êtes prêt à prendre médecine, je vais faire un test de 30. Pour augmenter de 30, ouais, ok. Ouais, c'était ça. Et... C'est limite. Oh.
Si un patient est soigné, là... Ok, je choisis la DD et après ça va faire en so- ça va faire les points de vie. En fait, plus t'es bon, plus tu peux prendre des grosses DD qui vont faire des gros soins, mais plus c'est dur. Donc c'est un peu bizarre. Ouais. En gros, ça dépend si tu veux assurer ou risquer, mais avoir un très bon soin. Ce que je vais faire un DD. Alors ça fait 10 plus... Après je dis ça, je dis rien, hein, mais il y a des gens, ils ont fait des jets merdiques alors qu'ils ont des points d'héroïsme. Plus 17, j'ai plus de... Ouais, faut pas le dire. Ouais. Ce serait dommage de les cramer, les points. Plus de... C'est clairement pour ce genre de situation qu'il faut les cramer. C'est, c'est bien parce qu'elles sont pas ciblées. Non, elles écoutent même pas. Ouais, bientôt va faire hein. Ouais. J'ai utilisé mon assurance en médecine. Et je vais faire un DD20 pour soigner les blessures. Donc ça fait une réussite auto. Ouais, parce que je suis à 10 plus 17, donc je suis à 27. Ouais. Et je soigne les deux et leur état blessé disparaît. Ok. Donc normalement c'est quoi? C'est 2d8 plus 10, vu que j'ai fait des d20. Ouais, c'est ça. 2d8 et on rajoute 10. Ok. Vas-y. Au résultat. Bon, je suis un jeu pourri. C'est pas grave. 14. Ouais. Et ils perdent leur état blessé. Alors je sais pas s'ils ont un état blessé. Mais... Ok. Très bien. Tu as pu faire en sorte que bon, le forgeron ne peut toujours pas marcher, mais au moins ça ne s'affectera pas. Et au moins ses jambes vont se ressouder parce que j'ai mis la telle. Il aura pas besoin de les couper, quoi. Bah oui, j'ai utilisé un tour pour la telle, le deuxième tour pour soigner et refermer les plaies. Bon. Eh, j'y pense. Il était encore petit. Ouais. Oh, c'est grave, ça change pas le son. Hein. C'est juste une petite attelle, du coup. C'est une petite attelle et des petits pansements. Mercurochrome, les pansements des héros. Des petits héros. Quand je vois son état là, il est encore vraiment mal en point ou... Parce que je vois qu'il est grièvement blessé, il est mal en point du coup. Bah oui, il a les jambes pétées quoi quand même. Oui, mais je veux dire, est-ce que il est en train de vider de son sang et de crever ou... Non, il est pas en train de se vider de son sang. Il est brûlé à certains endroits du corps, il a les jambes brisées, c'est pour ça qu'il est grièvement blessé. Mais okay. Il n'y a pas de saignement proprement dit. Bon, bah dans ce cas là, ma dernière action, je vais repartir de là où je voulais. Je donne des petites instructions rapides à l'apprenti et je repars de là où je vais. Ok, là. Très bien. Alors, c'est bon, là, tout le monde a joué. Maintenant, donc officiellement, la maison qui est ici est éteinte. Laquelle? Les alchimistes ont. Celle-là où vous êtes. Ah, oui, ils ont réussi à éteindre l'incendie. Exactement. Ok. Donc là maintenant, ils vont se diriger vers la taverne. Voilà. La petite fille va retourner voir son papa. Les forgerons vont à la forge se mettre en sécurité. La petite fille va rejoindre son petit papa. Son petit papa. Son petit papa, tout à fait. Henri, du coup, maintenant qu'il voit la succube, même s'il n'a que deux actions pour l'attaquer, est-ce qu'il va réussir à la toucher? Ça, c'était pas bon, ça.
là, ça touche. Ah, il perd son état étourdi. Et elle va le frapper à son tour. Allez, la fiche qui met toujours 850 points à s'ouvrir. Le capitaine de la garde est complètement confus parce qu'il voit un homme se battre avec une citoyenne. Allez, retrouve un putain de fiche de merde. Merci. Touche. Et avec ses deux autres actions, elle va ouvrir une porte dimensionnelle. Là, à partir de là, je fais. C'est quoi? C'est champ énergétique peut-être. Bon, c'est pas champ énergétique. Masse tournante. Pas ça non plus. C'est bon, beau. Elle ouvre un portail. Faut la faire. Et puis ben, finit son tour. Caco démon va sur lui. Les alchimistes ils ont joué, ils sont bien en sécurité, ok. Le sans-abri continue d'avancer. Daywin, c'est à toi. Ok. Et ben du coup, vu que j'ai vu que à droite, il y avait encore des choses qui se passaient, du mouvement, je vais aller par là-bas. Est-ce que je la vois, la succube de où je suis, là? Tu vois une femme, mm-hmm. Et tu vois un portail démoniaque. D'accord. À côté. Est-ce que j'ai l'intelligence d'esprit de me dire que... elle vient d'ouvrir le portail et que c'est le sien? Tu vois? Ça, c'est toi qui vois. Fais une déduction que tu veux. Bon, est-ce qu'elle me paraît... voilà, c'est... oui, pour moi, c'est ce que je la vois en... Ah, une citoyenne à côté d'un portail démoniaque, c'est quand même louche. Hein. Ouais. Bon, je vais pas chercher midi à 14h, je lui envoie une flèche. On va tester une flèche soporifique. Dans le doute, hein. Tu vois. J'aime bien pour ça, ça serait du genre à faire. Je tente une flèche soporifique, mais je vise sa tête. C'est un coup critique. Oh. Oh. Je disais donc, flèche soporifique dans sa tête. Dans ta tête. Fais dodo. Oh, bah, elle va bien faire un dodo, là. Elle est morte. Ok, donc tu lui plantes une flèche... attends, je vais juste faire un truc.
Ouais, non, ok, il vaut mieux faire double dégâts. Tu lui plantes une flèche dans le torse, cela l'atteint réellement. Elle. Tu vois qu'elle souffre, elle en souffre. Ensuite, que fais-tu? Ben, vu que j'ai marché déjà deux fois, c'était ma dernière action. Ok. Sous les draps. Invoquer un portail démoniaque n'est pas un truc offensif. Non. Ok. Je vais activer mes grandes fougues qui font que je marche un peu plus loin. Pour une action, pour deuxième action, je viens jusque là. Et je vais taper le calque au démon. Ok. Ça touche apparemment. Oui. Ah, stylé. Qu'est-ce qu'il y a ? Les dés, ils étaient beaux. Ah. Je refais une deuxième attaque et Tarax. Voilà. Brag ? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi. Je vais reprendre continuer ma marche vers le haut, mais enfin vers la droite, mais je vais regarder autour quand même si personne n'a besoin de moi, tu sais, genre. Genre là, je m'arrête, je regarde par ici, s'il y a des démons ou trucs comme ça. Si je vois rien, si je vois personne qui est en train de galérer ou en danger, bah je vais continuer sur la droite. Tu vois un démon ici. Ok, bah je vais aller vers le démon. De toute façon, j'ai pas beaucoup de. Et il va rentrer dans la maison. Tu vas le voir rentrer dans la maison. Ah, mais la maison, elle est en train de cramer. Oui. C'est la maison de qui, ça? Je sais pas. Si, ça me dit quelque chose. Si, je sais. Bah, de toute façon, j'ai fait mes transactions. Voilà. Très bien. C'est au tour des méchants. La succube va... Bah, elle ne dort pas. Non. Pourquoi elle dort pas? Parce qu'elle a résisté. Pourquoi elle dort pas? Merde, hein. Merde. Tellement agressive. La succube va rentrer dans le portail. Je vais utiliser une voix qui ne correspond pas du tout. Mais je trouve ça drôle. Ça va être hyper rigolo. Une prochaine fois, mes chéris. Ah putain, la succube du bois de Boulogne. La vieille grand-mère qui essaie de tapoter avec des biscuits, quoi. Oui. Vous voulez des bonbons? Non. Et elle va prendre le portail et disparaître. Ah. Merde. Le portail, il se ferme direct. Le portail, si vous voulez sauter dedans, c'est le moment. Enfin, il n'y a que toi qui est à portée avec Henri, sinon il va se fermer. Ensuite, le caco démon va mourir. Qu'est-ce que vous avez autour de vous? Bah après, autour de vous, il n'y a rien de plus. Là où vous êtes, du moins. Vous pouvez jouer en sachant que vous n'êtes plus vraiment en combat, là. On garde les mêmes ordres de tour. Ouais, vous, Daywin. Bon, en voyant qu'elle s'est barrée, l'autre, je me dis que là-bas, c'est safe, qu'il n'y a plus grand-chose à voir.
Je vais aller check la taverne parce que j'ai pas été à la taverne. Ouais, je vais aller voir la taverne au cas où. Parce que de toute façon, je me dis que c'est bon par là-bas. Je me dis qu'Honor, c'est bon aussi. Quand tu passes par là, tu vois que Tornade déchaînée, dernier silence et Cosmos se dirige vers vous. Ok. Ok. Eh ben, je vais les attendre du coup. Je vais les rejoindre, voir si discuter un petit peu avec eux, leur raconter que j'ai vu du coup l'espèce de femme prendre le portail et voilà. Maintenant que c'est devenu un peu plus calme, Sunetra, tu entends des pleurs dans la maison avoisinante. Laquelle ? Celle-ci. Ok. Bah, je vais profiter de ma vitesse pour aller voir. Très bien. Quand tu rentres dans la maison, tu vois une autre petite fille, enfin une petite fille. Bah je la connais. Tu la connais ? Bah oui, c'est la fille du chasseur. C'est la fille du chasseur, tout à fait. Oui, si, je la connais bien. Je m'en rappelais plus. Sola est dans son lit avec son doudou et elle dit, quand elle te voit, elle te dit, il est où papa ? Je regarde derrière moi et j'essaie de mémoriser où je l'ai vu et j'imagine que je le vois. Oui, tu le vois. Il est là. Hein. Bon, vu que je ne sais pas qu'il est mort, je vais lui lancer un sort de soin pour voir si ça peut... Tu vois ? Juste... Parce que pour moi, il peut être juste inconscient. Toi. J'ai pas inspecté ou quoi. À part s'il est découpé en trois morceaux, tu vois. Dans ce cas-là... Je le ferai c'est pas. C'est plutôt évident, ouais. Voilà, mais s'il est juste tombé par terre, inconscient, je lance le sort de soin. Ok. Je regarde s'il y a une réaction du corps, et s'il n'y en a pas, je vais aller consoler la petite. Ok. Tu peux aller consoler la petite, hein, parce qu'il n'y a aucune réaction. Je m'en doute, mais voilà. Le personnage voulait avoir le cœur. Ok. Pendant que tu faisais ça, Henri a sauté dans le portail. Ah ouais, c'est chelou. Ouais, le portail se refermera juste derrière lui. J'avais peur de crever alors. C'était une possibilité, hein. Et du coup, ça te rebrague. Ouais, on me parle derrière, j'avais du mal. Par là, l'entrée que je vois ici, enfin, ça s'est effondré. Donc, est-ce que c'est un passage qui s'est ouvert ou est-ce que vraiment c'est pas praticable si je veux rentrer à l'intérieur ? Non, là, c'est. Bah, disons qu'il faudrait que t'enlèves les débris ou que tu sautes à travers les flammes. C'est pas praticable. Non. Moi, j'ai utilisé mes 3 déplacements parce que oui, 21, oui. Il va me rester 1m50. Donc tu arrives dans une maison complètement en flammes. Ouais. Les débris sont partout. Tu as un mur de feu devant toi. J'essaie de voir si je vois le démon, si je vois quelqu'un. Et j'appelle. Quand tu arrives, en fait, tu vois le démon passer derrière ce mur. Sauf que toi, eh ben, tu as un mur de débris qui fait peut-être 2 mètres de haut. T'as 1 mètre d'espace entre le plafond et qui s'est à moitié écroulé et le tas et d'énormes flammes. C'est un mur de flammes devant toi. Ouais, je vois pas grand chose, j'entends rien quand j'appelle. Voilà, tu sais juste que le démon est passé par là, le petit démon.
Ouais, quand j'appelle, j'ai pas de réponse. Non, tu n'entends rien. Bah, vu que c'était ma dernière action, de toute façon, je vais attendre. Ok. Je te laisse méditer. Mmh. Hop. Qu'est-ce qui reste comme... Ok. Paf, paf, paf. Très bien, très bien, très bien. Et bien du coup, c'est de nouveau à vous, hein, de la fin des wins. Dewin, tu vois arriver les trois acolytes près de toi. Oui. Ils sont dans un état... Bon, tu vois qu'ils ont massacré du démon. Ils sont pleins de sang, d'une couleur un peu noire. Ouais. Se mélangeant un peu aux leurs leur blessures, des égratignures, de la sueur sur la gueule. Tout plein de choses. Ok. Ah bah, déjà, je leur demande est-ce que tout va bien. Enfin, il n'y a plus rien au nord Plus de démons qui traînent. Non, c'est bon, on s'en est occupé. Ok. Je leur raconte du coup ce que j'ai vu sur la droite, le portail, tout ça. Je leur explique un peu. Et Ah chier, elle nous a échappé. Donc c'est à cause d'elle du coup, tout ce bordel. On sait pas trop. On était posté en embuscade dans le cimetière et quand on a vu l'incendie, on a intervenu et il y avait déjà les élémentaires. Ah d'accord. Ok. Bon, on ferait pas mal de réunir tout le monde à un endroit sûr, je sais pas où, à un endroit qui n'aurait pas pris feu peut-être. Je sais pas si la planque est encore viable, mais d'abord il faut qu'on rassemble les survivants. Ouais. Ce serait pas mal de les rassembler. Peut-être, Quels sont les bâtiments que vous avez visités ? Pour ma part, la maison du forgeron, ensuite mes deux amis ont... Je sais pas où est-ce qu'ils ont été exactement. Mais je pense que ça a l'air d'être plus calme, donc je pense que tout a été un peu visité. Enfin, en tout cas, j'allais aller vers la taverne une dernière fois, voir si... Bon, bah alors rejoignez-nous à la planque, on vous laisse aller à la taverne. Si okay. Vous pensez avoir tout fait... Je pense, ouais, je vais essayer d'aller chercher mes deux camarades, et puis on se retrouve là-bas. Au moins, le feu ne se propagera pas là-bas. Ouais, c'est sûr. Ok. Très bien. Bon, sachant du coup que j'avais vu Sunetra à droite tout à l'heure, je vais retourner sur la droite. Et puis je vais essayer de chercher mes deux. Ben non, je vais pas aller chercher. Hein. Je vais claquer un petit Quacomantao parce que j'ai la flemme. Ok. Tu entends le cri d'une femme en haut à gauche, au nord-ouest. Et d'ailleurs, les trois se retournent en disant mais d'où ça vient ? Ah. Et, okay. Et tu entends putain comment je les ai appelés, bon, au pire on va l'appeler Arthur. Tu entends une femme qui appelle Arthur, Arthur où es-tu? Je vais y aller mais tu reconnais la femme de l'orphelinat. Ok. Johanna, tout à fait. Ok, je vais y aller, mais avant je claque le Quacomantao pour... Oui, vas-y. Du coup, bah... Donc d'une main je donne, donc j'adresse le message à... Oh putain. Nuage tourmenté et... Yoran... Eh oui, hein. Ah putain, Yorana je crois. Non merde, attends.
Yorona. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je leur explique que du coup j'ai croisé. Oh putain, le son, la musique est forte. Ouais. Donc je leur explique que du coup c'est moi, Flèche Transperçante, que j'ai croisé Tornade Déchaînée et ses coéquipiers et que ils nous demandent de les rejoindre à la planque. Mais que avant tout ça, j'ai entendu donc Johanna crier Arthur, Arthur, et que je vais aller voir si elle a besoin d'aide. Et du coup, je les rejoindrai là-bas. Ou alors, ils peuvent me rejoindre. Ouais, qu'ils me rejoignent plutôt à l'endroit où je leur indique pour Johanna, tout ça. Ok. Et puis, je me dirige vers Johanna, du coup. Très bien. Tu te diriges vers Johanna et elle te dit « Vous avez pas vu un petit garçon un peu costaud c'est le seul qui me manque, je sais pas où il est. » Vous l'avez vu où pour la dernière fois? Mais je sais pas. Il était censé avec les autres et il a dû paniquer. Il doit être caché dans quelque part. Je vais essayer de le chercher. Est-ce que vous avez peut-être un vêtement à lui ou autre Non. Non, je sais pas. Ah non, mais pour le renifler. Pour le loup. Ah, vous voulez son odeur? Oui. Ah, oui, venez. Et tu vois qu'elle va te mener à la maison pour te donner un de ses jouets favoris. Ok, ça sera plus facile. Bon, c'est dans la Sunetra. Tu es en train de rassurer la petite dans sa maison, sauf que le bâtiment d'à côté est en feu, hein, pour rappel. Ouais, mais est-ce que j'ai le quoi commande Tao? Tu as le quoi commande Tao, en fait, pendant que tu es en train de discuter avec elle, de lui dire ça va aller, on est là maintenant. Je la prends dans mes bras et je lui dis viens, on va aller faire un tour de cheval. Par contre, on va jouer à un jeu, tu vas devoir fermer les yeux. Et toi, je lui prends. Ah bon, pourquoi? Parce que dehors, il y a eu beaucoup de feu et j'ai peur que le feu finisse dans tes yeux. Et toi, je lui mets un petit bandeau sur les yeux. D'accord. Ok. Tu mets un bandeau sur ses yeux. J'ai une écharpe. Tu vois, je mets mon écharpe autour de ses yeux. Je lui donne son doudou dans les mains. Je lui fais tiens-toi à moi et surtout, me lâche pas. D'accord. En fait, je sors, je vais prendre mon cheval et je vais monter vers le nord à la recherche de Johanna. Ok. Très bien, très bien, très bien. Elle monte avec toi sur le cheval. Et là, c'est une figure. Non, je rigole. Voilà. Vas-y, je te laisse te déplacer. Moi, le but après, c'est d'aller. Allez, Braque, je te laisse faire ton action avant que t'ailles manger. Moi, par acquis de conscience, je vais d'abord essayer de repérer la partie la plus faible au niveau du mur de flammes, celle là où il y a le moins de débris possible. Ouais. Moi, je fais perception. Ok. Tac. Ok. Tu vois clairement que c'est ici le seul endroit où tu pourrais passer, où c'est friable. Ok. Je vais... Il y a moins de flammes. Utiliser une action pour me couvrir, pour vider la totalité de mon outre dos, mon outre moyenne. Ouais. Sur ma gueule. Ok. Et je vais littéralement foncer avec mon bouclier en avant pour passer de l'autre côté du mur de flammes. Donc, ok. 7,50, j'arrive ici. Allez, je saute sur le canapé. Pas de soucis. Pas de soucis. Les flammes ne te font rien puisque tu as pensé à te tremper avant. Tu fonces dans le mur. Si le bois est complètement friable, consumé par les flammes, okay. Tu arrives au niveau de l'ameublement et tu vois le démon qui est en train de s'approcher.
de commencer à croquer les orteils de ton ami qui est tombé dans les pommes, sûrement à cause de la fumée. Ok. Et qui est en train de s'asphyxier. Compte ton action classique, hein. T'inquiète, là il te reste une action, si tu veux. Ouais, ouais, bah ma dernière action en fait, je vais m'interposer entre le démon et le. Et le. Et Tylor. Ok, très bien. Bon, tu peux y aller et puis on verra. Ça marche, bah après, enfin, tu doutes, je vais oublier le démon. Oui. Ok, bah tout de suite. Comme t'es pas au même endroit que les autres peuvent quand même. Ouais, ça marche. Agir. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout. Qu'est-ce que... Donc du coup, tu voulais rejoindre Johanna, Lewin, qu'est-ce que tu voulais faire? Faut qu'elle me donne à jouer à lui, comme ça ah je oui, me voilà, fais renifler à Sirius, et puis moi aussi, histoire de voir s'il y a pas... si on peut pas le pister un peu comme ça, pour le trouver le plus rapidement. Ok. Oui, c'est vrai. Donc elle t'amène à l'orphelinat. Là, on peut faire plus ou moins du direct. Hein. Okay. Là, on va plus faire tour par tour. Qui était devant moi. Mais il y a tornade déchaînée et machin. Oui, tu voulais leur adresser la parole? Oui. Tu voulais leur dire quoi? J'ai vu leur état, ils sont lamentables, ils sont mourants. Ça doit se voir sur leur gueule, non? Ouais, ils sont dans un sale état. Après, bon, c'est, je l'ai pas fait faire les soins par rapport fait par Cosmos normalement. Ouais, sinon, je les soigner. Sinon, je les soigne. C'est bon. T'inquiète pas, Cosmos va s'en occuper. Ok. Bah après, moi, je vais monter, je vais aller devant le truc de la potière. Et je vais regarder dans les décombres. Ok. Fais-moi un jet de perception. Le dernier truc que je me souviens, c'est que j'avais pas vu la poissonnière et que je l'ai vu que après. Oui. Ok. Tu vois un énorme amas de débris et de flammes devant toi, c'est difficilement visible depuis l'intérieur. Du moins, tu ne vois pas de corps à l'extérieur. La poissonnière, elle est dedans. Je m'arrête là. Ouais. Et je vais essayer d'entrer. Ok. Donc tu rentres à l'intérieur. Fais-moi un jet de vigueur. Ah. Ok. Avant le bien, bien entendu. On va le jouer là après. Ok, donc tu pénètres, la fumée est épaisse, ça rentre dans tes poumons, tu tout sautes. Les flammes illuminent et t'aveuglent presque dans toute la pièce. Et tu vois donc le corps de la poissonnière plus en détail, sous les débris. Ainsi. Un autre corps, le vieux, ici le marchand Rupert. Oui, il est vivant ou pas? Je l'appelle moi. Il est mort. Pas Rupert, je dis n'importe quoi. C'est le prêtre Rupert, c'est oui, Walter, c'est Walter lui.
un double 1, ce con. Entre les clodos qui font des double 6 et lui qui fait un double 1. Ah ouais, non, il laisse tomber. C'est les 4 en bas. Ah, mais les clodos, ils ont survécu. Ouais. Tu ne vois rien d'autre. Bah, je vais avancer doucement en tenant mon cheval à la main jusqu'à l'orphelinat, en fait. Ok. Donc, je te laisse y aller. Braque, donc, jouons tes attaques contre le caco démon. Oui. Le coca-cola démon. Le coca démon. Tac. Désolé, j'étais un peu perdu. Alors je le tape en tranchant, tac. Je vois plus le truc. Ça touche. Fais des dégâts. Ok. Je mets le 13 dans sa bouche. Merde, je mis sur Walter, le pauvre. Il prend des dégâts, mais il s'est pas dit, tu sais. Je retiens une attaque. Massacre le vieux qui est déjà mort. Ça touche. T'as refusé de faire la promo. Bim, bim. Bim. C'est la punition divine. Tu vas faire... Tais-toi, Sam. Ah, je suis en fer froid aussi, hein. Je sais plus, tu m'avais posé la question la dernière fois, c'était bien moi, j'ai relevé mon épée. Ok. Bon, ça ne concerne pas les cacos des bons, donc... Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Dernière action, je vais faire une... une médecine militaire sur... sur mon ami ici présent... Le caco démon est en train d'agoniser au sol. Hein. Tu l'as mis dans un sale état. Tu lui as coupé les ailes. Ouais, mais au niveau du bibliothécaire, je le vois mourant. Mais il est mourant, genre, je vois vraiment que son état est critique ou je peux achever le caco démon. Son état est critique et je vais te dire même. Savoir comment je juge ça. Ok, son état est extrêmement critique. Ouais, donc il va se prendre à soigner les blessures, bah comme tout à l'heure, des dévarins avec assurance. Donc, du coup... Après, attends, il faut que je regarde un truc. C'est un truc que j'ai pas compris. Ouais, si, des D20 et le plus 10 de l'assurance. Donc, bah, du coup, ça fait 27. Je lance les 2D, il aura plus 10 au PV. Donc, il récupère 22. Ok. C'est beau, la médecine militaire. Alors, tu vas fermer les plaies sur son corps. Seulement... La médecine ne peut pas. Oui, bien sûr, il reste blessé. L'aider, après... il reste en train de suffoquer, il n'a pas d'oxygène, toujours inconscient. Ouais, bien sûr. Ça, pour le coup, on part. Le mur de... Un orteil en moins. Je sais pas où il va, le mur. C'est un mur porteur. On s'en fout, y'a qu'un caco démon. De toute façon, c'était ma dernière action, je l'ai tapé deux fois. Et j'ai soigné. Oui. Y'a pas de fenêtre? J'ai même pas où faire. C'était par là, ça s'est effondré, je crois. Ouais, même... Là où il y avait des fenêtres, c'est écroulé. Je sais même pas où c'est. Enfin, je sais dans quelle maison, mais c'est tout. Moi, je te voyais bien, là. L'orc en armure de plaque complète, il sort du bâtiment en flamme. C'est ce qui va arriver, après. Non, mais... À travers le mur, pas à travers la porte d'entrée, tu vois. Ouais. Ok, je vous laisse, je vais manger. Pendant ce temps-là, voilà. Johanna donc, te donne un nounours qui est censé être son doudou. Mm-hmm. Ça va te permettre d'avoir l'odeur de l'enfant. Ok.
Bah, let's go, je vais mettre en mode pistage, je vais le faire renifler à Sirius en même temps, et puis c'est parti. Je vais essayer de voir si je peux sniffer son odeur. Ok. Par la même occasion, vous entendez un cri venant d'ici. Ah. Bah, moi je propose. Enfin, c'est un cri comment de gamin, de femme. Bon, on va aller. Ouais, je donne la gamine à la souriante, on va aller voir, ouais. Je confie la petite fille à Johanna. Les volets s'ouvrent et vous voyez. Comment elle s'appelle ? Ourma qui rampe et saute par la fenêtre désespérément. Bah, je l'intercepte avec un sort de poing. Bah, on va l'aider, enfin, j'imagine, non ? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui avez crié? Il y a une créature! Elle s'est attaquée à nous! Je vais lancer un sort de soin. Oui. Pas de soucis, tu la soignes. De ses blessures. Et Daywin, tu veux que j'y aille ou t'y vas? Je vais y aller. Je prends mon épée, je range mon arc et je vais passer par la fenêtre. Je lui demande qui c'est qu'il y a dedans. Urma, c'est pendant que je la soigne. Il y avait mon mari, il y avait un ouvrier des entrepôts, il y avait Rudik. Je vais passer par la fenêtre, hein, du coup, moi. Je demande à Sirius de me suivre et puis. On va aller péter du début. Hein? Ben, j'ai de l'acrobatie. Alors. Un échec critique. Oh putain. Tu tentes une acrobatie, d'escalader les tonneaux, de passer à travers la fenêtre et au final tu t'accroches sur une pierre qui tenait mal et la fenêtre s'effondre sur toi. Yes. Est-ce que je peux réagir à ça? Oui. Mais dis-moi ce que tu veux faire précisément. Et je veux finir arrêter le temps. Faut que tu fasses un G alors en conséquence. Parce que pour récupérer un échec critique. Ah, y a pas de problème. Non, mais attends, au pire, t'embêtes pas, hein. J'utilise un point d'horizon. Alléluia. Oh, bah si. Ça sera plus simple. Ouais, ça sera plus simple. Refais ton G. Ah merde, j'ai appuyé. Attends. Je me suis rajouté un point. Ah voilà, c'est ça pour enlever. Ok, voilà. Voilà. C'est bon. Là, tu peux refaire ton jet d'acrobatie maintenant. Ah, si je refais un échec critique, je rigole. Bah, dans ce cas-là, j'arrêterai le temps. Ok, donc là, finalement, il semblerait qu'avec une belle pirouette et en escaladant des tonneaux, tu arrives dans l'entrepôt. Ah. Et Sirius aussi. Hein. Et Sirius te suit. Oui. Ok, et eh ben je vais aller voir, hein, j'ouvre la porte. Alors, la porte est bloquée. Ah. Non pas parce qu'elle est verrouillée, mais comme s'il y avait quelque chose qui l'a bloqué, un tonneau, quelque chose. D'accord. Bah, j'ai pas beaucoup de force, je mais... Je dis que je fais le tour et je vais... Ouais, pendant qu'elle fait ça, moi je vais essayer de voir, tu sais, sur le côté là, les fenêtres. On les a pas mal spy. Alors, tu regardes par la fenêtre. Et par cette fenêtre, tu y vois. Alors, restriction, champ visuel. Voilà. Donc, tu vois le corps du tavernier qui bloque la porte.
et un démon qui est en train d'abreuver de son sang. Moi, je vais essayer de mettre des coups dans la porte, hein, des coups d'épaule, hein, histoire de... Bah, d'essayer de passer, quoi. Agir ou pas? Vous pouvez agir tous les deux. Donc toi, tu fais des coups d'épaule, donc... zéro discrétion, athlétisme. J'ai zéro à l'athlétisme. Ouais, je sais. Ça de faire que des actions qui regardent la critique. Ah ouais. Donc la porte ne cédera pas pour l'instant. Peut-être que quelqu'un va t'aider. Hein. Mm-hmm. Je vais faire des dégâts au démon. Oui. Je vais. De là où je suis, je vais lui lancer un. En fait, je vais éclater la vitre pour que les fumées elles sortent. Et je vais lui faire une attaque sonique sur la gueule. Ok. Fort bien. Vas-y, fais ton attaque. Ça touche auto. Il faut qu'il fasse un jet de vigueur des D25. D'accord. C'est le break pour tout le monde, c'est ça? Non. Okay. Il a fait un échec critique. Ah. Il va prendre cher dans sa mère. Cool. Il va se prendre 16d4 dégâts. Eh ben, je te laisse faire tes 16d4. À partir du chat. Oh. Wouh. Oh putain. Bordel. Ah, bah, il semblerait que... Donc tu casses la vitre avec ton coude et tu concentres tout ce que tu as. Peut-être, on sait pas si c'est pas la mort du... Enfin, de voir le cadavre du tavernier qui te bouleverse à ce point-là. Mais tu donnes tout ce que tu as et ton attaque de son retentit et fait casser tous les carreaux de l'établissement. Et le corps du Brimorak implose. Oh putain. Boum. Et il meurt. En voyant le tavernier mort, j'avoue que j'ai les poules. Oui, il a tout fait pour défendre sa femme. Mais il l'a sauvé. C'est beau l'amour. Et est-ce que je vois d'autres gens dedans? En scrutant, tu vois des corps qui jonchent le sol par dizaines. Tu ne sais pas s'il y a des vivants, des morts. Je saute dedans pour voir si. Je veux voir qui c'est les corps, quoi. Enfin, tu vois. Tu rentres par la fenêtre, du coup? Ouais. Ah, vas-y, je te laisse y aller. Ça peut pas, il y a un mur. Autant pour moi. Voilà. On est d'accord que je reconnais mon pote le troubadour. Oui, tu vas finir par dans les corps. Tu vois qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça a été une boucherie. Tu vois le corps de Rudik au sol. Je cours voir s'il est vivant, quoi, enfin, tu vois. Et si je peux faire un truc, quoi, enfin... Et j'appelle Daywin. Au secours, la porte. Ouais, mais... Honnêtement, j'y pense pas à bouger. Non, mais disons que par l'onde ultrasonique, ça explose aussi la porte. D'accord, voilà. Tu t'es retrouvé projeté en arrière. D'accord. Là, j'appelle Daywin, là. Oh putain, le carnage.
Il est mort ou pas, le barde? Alors, Rudik est dans un état... Tu prends son pouls. Il est très faible. Il est inconscient. Il a des grandes traces de griffures sur le torse. Il est brûlé partiellement. Tu comprends rapidement qu'il s'est battu. Ouais, contre ouais, ouais, ouais. Le Brimorak. Mais il y a un pouls. Il n'est pas pâle comme les autres. J'arrive pas à ouvrir un truc. Ma bourse de ceinture. Je vais voir s'il y avait des potions. Sinon, je demande à Daywin s'il en a. Alors, moi... C'est qui bug. Est-ce que j'ai des potions élixir de vie? Oui, j'ai une potion. J'ai une élixir de vie. Je te demande de me la passer si tu veux bien. Oui. Pour la donner au... Bah, je clique sur utiliser, du coup. Oui. Donc tu voilà, tu utilises une élixir de soin. On va tirer les dés. Très bien. L'élixir de soin. Enfin, c'est un peu problématique parce que faire boire quelque chose à quelqu'un d'inconscient, c'est un peu compliqué, mais on va dire que vous y arrivez. Puisqu'il y a quand même une respiration, donc presque il va s'étouffer avec la potion, mais il va finir par la boire et au pire en intraveineuse. Non, mais au pire, même s'il s'étouffe avec, ça passe dans ses poumons, c'est pas grave. Oh là là, le pauvre. Certaines de ses blessures vont se refermer. Il va reprendre un peu des couleurs. Bah, je vais le porter dehors. Ouais, parce que l'incendie est quand même là, hein, même si il est en train de s'éteindre. Si les alchimistes travaillent dessus. J'ai une ceinture de levée, tu veux pour le soulever? Oui. Après on est deux, hein. Tu prends un côté, ouais. Je prends l'autre, hein, au pire. Faudrait que tu penses, Daywin, à prendre une ceinture de levée un jour, hein, parce que... c'est toi qui fais le plus d'actions d'athlétisme, et t'en as pas. Ouais. Avec une ceinture de levée, t'aurais pas eu tout léger, hein, à faire. Ouais. Donc vous le récupérez et vous le sortez. Oui. Daywin, je te demande de... J'appelle Célia. Mmh. Et je lui demande si elle peut s'occuper de Rudik. On va continuer à aller sauver des gens. Ok, bah et puis il faut trouver le petit garçon. Ouais, et puis il faut trouver quelqu'un d'autre aussi. Ok. Il y a la fille qui est sur le cheval et qui dit t'es parti, t'es où? Mais, depuis tout à l'heure, je l'ai amené à l'orphelinat, je t'ai dit. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon, j'ai oublié. Comme je la voyais là, moi, j'avais oublié. J'ai oublié, c'est le problème. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai... perdu dans ma tête. Mais du coup, la serveuse aussi, elle va dans l'orphelinat. Voilà, elles sont toutes à l'orphelinat. Bah, je te dis que je vais aller chez moi, voir s'il n'y a pas... Ira. Ok, bah moi, je vais essayer de chercher le... Le petit garçon, puis après, de toute façon, plus tard, on se retrouve où tu sais. C'est où, je sais. Ouais, vous avez pas eu mon message tout à l'heure, ou quoi? Je m'en souviens pas, mais ok. Allez. Ok. Bon, bah du coup, je prends le jouet dans les mains, je le renifle, je le fais renifler à Sirius, et puis voilà, et puis on va essayer de chercher le petit garçon. Ok. Tu pistes et l'odeur t'emmène vers l'est. Je coupe les maisons au passage. Hein.
Ah, alors attends. Paf, paf, paf. Oui, la porte est verrouillée là où tu es. C'est une maison. Hein. Ça donne sur les appartements de Walter. D'accord. J'étais juste essayé de donner un grand coup de pied. Si ça ne t'ouvre pas, tant pis. Mais... Bon, c'est quoi, je te l'accorde, je peux que tu vois. Ok. Mais il n'y a rien de... Ouais, si je vois qu'il n'y a personne, je... Je fais ça de maison en maison en fait. Pour pas que tu ailles. Juste pour pas laisser les gens derrière. Dans celle-là, tu tapes et ça résiste, y a rien, pas de réponse, rien du tout. Et ben je vais monter chez moi. Ok. Je sais pas si Bragg est de retour parce qu'il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il m'a envoyé un message, ouais, c'est pas grave, on jouera ses actions après. Donc Daywin, tu peux continuer vers l'est. Hein. Ok. Et donc toi, Sunetra, tu arrives chez toi. La porte est verrouillée à clé. Donc tu utilises ta clé pour rentrer. Ouais. Tu rentres chez toi. La maison est tenue, il n'y a pas de problème, tout ça. Et tu entends rapidement des petits pas pressés et la porte de la chambre qui se verrouille. Léa, c'est toi ? Tu entends... Maîtresse Sunetra ? Oui. Automatiquement, tu entends la porte se déverrouiller et tu vois ta servante qui est là, qui fait... Ah, vous m'avez fait peur! Vous aussi. Y'a qui d'autre? Je suis heureuse de vous revoir. Non, Madame Ira n'est pas là. Elle est passée dans la journée, mais depuis. C'est horrible ce qui se passe. Je ne sais pas où elle est. Je suis désolé. Calmez-vous, asseyez-vous. La situation est gérée à l'extérieur. Nous avons repoussé l'invasion démoniaque. Nous faisons tour des maisons pour rassembler les survivants. Ah. Là, tu vois, je lui fais, je la prends dans les bras, je lui fais un gros câlin. Ah. Genre, tu vois que ça lui fait grand bien. Comme si moi, tu vois, je suis soulagé de l'avoir. Ah voilà. Ok. Bah elle en est tout autant ravie parce qu'elle est contente de te revoir aussi parce que pour elle tu es quand même certes tu es son employé son employeur mais elle tient quand même à toi parce que elle t'apprécie et elle te dit mais comment vous avez traversé tout ça et mais vous allez bien mais vous êtes un peu blessé enfin vous êtes dans sale état. Elle doit me voir, je suis un peu blessé, ouais. Je suis brûlé, tout ça, mais bon. Vous voulez que j'aille vous préparer quelque chose de... Laissez-moi... Au moins vous nettoyez, Non. Vous occupez de cette plaie, faut s'occuper de cette plaie, madame. Préparer un... S'il y a de quoi, préparer un potage pour tout le monde. Je crois que tout le monde en aura besoin. On va devoir héberger des gens, je pense, ce soir. D'accord, très bien. Mais vous êtes sûr que les quartiers sont sécurisés? Je ne sors pas de la maison alors. Restez ici, ouais. D'accord. Je referme derrière moi, vous en faites pas. D'accord. Revenez vite. Je n'y manquerai pas. Et je verrouille derrière moi. Ok. Parfait. Tu es où, Daywin? Tu peux continuer à l'est encore et descendre vers le sud. Et prendre ce petit chemin. Oui, je galère, oui. Ah. Oh. Attends, parce que c'est oui, ce passage est un peu délicat. Oui. Quand tu arrives là, tu renifles l'odeur et sans surprise,
derrière un gros rocher, tu vois l'enfant. Tu vois sa tête dépasser. Et quand tu regardes dans sa direction, tout de suite, la tête se baisse. Arthur ? Vous êtes qui ? Il y a Johanna qui m'a envoyé de venir te chercher. N'aie pas peur, je te ramène avec près d'elle. Non ! Pourquoi vous non ? J'ai peur, vous aussi. Oh, on me le dit souvent. Non, mais je suis une amie de Johanna, vraiment. Merde, ça fait tout noir. Pardon. J'ai fait activer au lieu. C'est tout noir. C'est normal. Non, mais n'aie pas peur. Je suis une amie de Johanna, vraiment. Regarde, j'ai un de tes doudous en plus. Et là, je lui montre son jouet. D'accord, mais je vous connais pas et j'ai vu des gens bizarres rentrer sous terre là-bas. Et il pointe du doigt l'endroit où c'est qu'il y a l'entrée de... Ah putain. Merde. C'est un gosse, donc, il m'a tout raconté. Voilà. Eh bien, j'ai une décision difficile. Oui. Oui. Là, à toi, démerde-toi, voilà. Alors, allez, à toi d'inventer, démerde-toi. Ah mais moi je vais le tuer ce gosse. C'est... Bah ouais. Attends, je regarde mes consommables. Attends. Non mais tu peux. Non mais y a pas de souci hein. Oui, je sais. Mais toute action a des répercussions. Alors. Ah non. Bah après, tu tues un gosse, Personne le saura hein, que tu l'as tué. Bah surtout c'est un orphelin alors. Y a pas de parents de façon. Ok, non pas ça. Ok. Bon, c'est facile de le faire passer pour mort. Hein. Ah, j'ai pas un truc qui pourrait l'endormir paisiblement. Ah putain, c'est chaud. Pourquoi c'est pour moi les trucs comme ça là aussi? C'est le problème, c'est que bon, ben regarde la succube, c'était pour Boud, hein. Putain, merde. C'est, malheureusement, c'est celui qui cherche qui trouve, hein. Ouais, et ben je vais vérifier que personne d'autre n'est dans les parages. Alors, tu peux demander à Sirius de vérifier s'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Tu peux lui demander. Hein. Ouais, je vais. Avec son flair. Sirius, ouais, je vais lui demander, vérifie qu'il n'y a personne d'autre aux alentours et fais le guet. Et avertis-moi si quelqu'un s'approche. Ok, fais un jet de perception avec Sirius. Ok, très bien. Bon, Sirius fait le guet, il observe, il renifle et il ne bouge pas. Ok. Ah putain, Arthur, désolé. Je suis vraiment désolé, mais. Mais bon. Ah, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Je vais lui tendre son jouet. J'imagine qu'il va vouloir le prendre. Oui, il tend les bras, il le récupère. Et avec mon épée, je vais lui. Trancher la gorge. D'accord. Très bien. Donc, il n'a pas vu le coup venir. Il va agoniser pendant une quinzaine de secondes en s'étouffant dans son sang et va s'allonger par terre.
Je vais nettoyer mon épée correctement. Essayer de nettoyer les traces que j'aurais pu faire. Et prendre l'enfant avec moi et l'amener à Johanna quand même. En disant « Ah oh, bah désolé, je suis arrivé trop tard !» Voilà. Ah, t'es chaotique mauvais, hein, faut pas oublier. Ah, je regardais ton alignement. Mais oui, t'es chaotique mauvais et ça correspond. Bah hein. Ouais. Au bout d'un moment, faut appeler un chat et un chat. Je... ouais. Non mais après bon, bah, après c'est pas comme si t'avais fait ça au milieu de la rue. Voilà. On fait ça avec des cochons, mais pas avec des petits garçons. Oui, voilà, quand même, un peu de décence. ouais, qu'est-ce donc, que tu fais du corps? Bah, je te l'ai dit, je vais le prendre. Ouais. D'abord, je nettoie vraiment mon épée, je nettoie les traces par ici. Ouais. Et je vais retourner avec le corps du gamin voir Johanna. Bonjour. Et puis... D'accord. Et puis voilà, faire genre que bah, je suis arrivé trop tard, que je l'ai retrouvé mort, mais pas par ici par contre. Je vais passer. Où est-ce qu'on va faire genre? Je dirais qu'il est mort par là-bas, tu vois, où je ping. Ouais, d'accord. Et en passant. Okay, le et chemin en... à côté de l'entrepôt. Voilà, vu que c'était un peu le bordel aussi par là-bas, je me dis que. Et non, très bien, de toute façon tu vas jouer la scène, hein, t'en fais pas. Ok. Tu manqueras pas. Donc t'amènes le corps. Donc ouais, j'amène le corps moi-même là-bas. Je te laisse retourner auprès de Johanna. Ouais. Pendant ce temps-là, donc toi, Sunetra, tu vas à l'entrepôt. Tu vas croiser ton ami, hein. Tu vas croiser Daywin avec le corps de l'enfant dans les bras. Bien sûr, le jouet, je l'ai nettoyé. Bien sûr, j'ai tout nettoyé, hein, le jouet aussi. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, c'est, si je lui donne un jouet plein de sang, tu sais, elle va se dire oh, c'est bizarre. Bah, après, tu transportes le corps, tu peux avoir ouais, du sang sur le jouet alors que tu lui as porté le jouet. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, puis nettoyer le sang, c'est chaud. S'il est imbibé, enfin, du tissu, au bout d'un moment. Ouais, bon, c'est vrai que je transporte le corps, de toute façon, donc c'est vrai voilà, que. Voilà, là, vous le croisez forcément. Ok. D'accord, j'ai l'enfant dans les bras, là, du coup. Là, je vois qu'un chien, mais ok. Attends. Oui. Non, mais je rigole. Je lui demande si c'est Arthur. Oui, malheureusement. Il lui est arrivé quoi? Bah, je l'ai retrouvé dans cet état, donc je sais pas. Il ressemble à quoi l'état? Bah, je te laisse voir. Je te montre. Un garçon sale, égorgé d'un trait. Je regarde Daywin. Mmh. J'ai le droit de dire un truc? Tu peux dire un truc. Il y avait aucun démon avec des épées. Alors, si, ah les, si, les bri- alors, brimes si, si. Machin les, là. Les brimoras se battent avec des épées. Elles oui. sont enflammées par contre. Ah d'accord, parce que moi j'ai vu que des mecs qui vont essayer de me mordre et des trucs comme ça. Ah non, ouais, non, il y a des brimoras. Non, non, non. Les brimoras se battent avec des épées. Et les élémentaires se battent avec des tridents. Ouais, bah c'est grave. C'est grave, je suis pas un enfant. C'était juste ça. Moi, c'était juste pour la prévenir, quoi. Mmh. Mais oui, des brimoras se battent avec des épées. Après, il y a aucune trace de brûlure sur le gamin. Hein. Oh, bah ça peut toujours s'arranger. Il est dans le feu. ça mais... peut toujours s'arranger. Si tu veux, le seul truc que je me suis dit après, je savais qu'il allait le faire. C'était juste que voilà, pour moi ça fait bizarre par rapport aux démons qu'on a vu et par rapport aux autres cadavres. Honnêtement, j'ai pas la tête à ça et je m'en tape, je te préviens juste. Ok. C'est bizarre, il est pas brûlé et ils avaient des... C'était gros quoi les démons. Ça me paraît un peu net quoi. Et puis continuons. Ok. Bon, bah du coup, je vous laisse poursuivre votre route. Toi, donc, Sunetra, tu arrives à l'entrepôt. Alors, une fois à l'entrepôt, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre. Tu ouvres, tu as la clé. Oui. Et là, t'entends des cris qui font « Ah!
Vite, à l'attaque! Et tu vois, en fait, ton contremaître et un des ouvriers de la mine qui allaient te sauter dessus et qui font « Ah, ben, c'est vous !» Ah, ben, quel accueil! Eh ben, oui, on a trouvé un endroit où se réfugier. Vite, fermez derrière vous, fermez derrière vous! Et tu vois que le nain, vite, ferme derrière toi. Je me le piète, je fais « Vous en faites pas, la ville a été nettoyée des démons. » Eh, mais s'il y en avait d'autres! On sait pas, ça vient de la terre, ces trucs-là. De la terre? Ouais, ouais, ça sort du sol, ça surgit. Ah ouais. Je lui montre mon épée, je fais, et bah, j'en tuerai d'autres. Ok. Vous êtes que tous les deux, là? Oui. Oui. Je le sors et je claque la porte. Ok. Tu sors et tu claques la porte. Décidé à chercher sa femme. Ouais. Ah bah ouais, clairement. Ouais. Ah putain, elle est où? Moi du coup, après que Sonetra m'ait dit ça, je me rends près d'un truc qui flambe encore. Là où je suis. Tu l'amènes où d'ailleurs par rapport à son état? Eh ben, je l'avais confié à Célia, je lui ai dit. Ah oui, l'avais confié aux alchimistes, oui. C'est juste pour me rappeler. Faites attention à lui, il est dans un sale état. Si vous avez des potions, des trucs comme ça. Ok. Et... Donc, elle va l'emmener à l'atelier d'alchimie. J'ai une question à te poser, MJ. Oui. Est-ce qu'on peut faire un Quaco Mantao à quelqu'un qui ne fait pas partie du culte? Non. Ok. Merci, MJ. C'est pour ça qu'il y a des noms de code. Excuse-moi. Non, de toute façon, tu ne peux communiquer qu'avec des gens qui font le Quaco Mantao. Donc, il faut faire partie de l'organisation pour le savoir. Ok. Du coup, vous continuez votre chemin. Hein. C'est quelle est ta prochaine destination, Sunutra? Je vais faire tous les bâtiments. Je vais faire tous les bâtiments. Je vais monter et faire tous les bâtiments. Hein. Je le cherche. Ok. Très bien. Bon, ça va te prendre un certain temps. Hein. Les maisons à ta droite sont fermées, la maison du prêtre aussi. Chez le boulanger, c'est ouvert, mais il n'y a personne. Pendant ce temps-là, Daywin, je vais brûler le gamin avant d'aller voir Johanna. Ouais, tu veux brûler dans le feu, là? Bah, je vais regarder s'il n'y a personne. De toute façon, tout le monde est mort, là, ici. Les gens sont morts, ou vous occupez à éteindre l'incendie, ou à planquer dans des maisons qui n'ont pas subi de dégâts. Ouais, bah, je vais essayer d'être discrète et. Je regarde si personne me voit, et puis je prends un petit truc qui traîne un peu flambé, un peu chaud, et puis je vais le mettre au niveau du cou, surtout du gamin, quoi, tu vois. Pour faire, okay. genre, il s'est pris un coup d'épée enflammé, quoi. Donc tu brûles la peau au niveau de l'entaille. Ouais. Très bien. Et puis après, c'est tout. Hein. Je me barre et puis je vais le ramener à Johanna. Hein. Ok. Très bien. Donc, tu arrives auprès de Johanna. Attends, est-ce que c'est loin, Johanna? Ouais, ouais, ouais. C'est parce que Sunetra fait beaucoup de chemin aussi. Ouais. Donc. Hop. Hop. Ah, la mur. Ah. Oh. C'est bon? Non, attends, je galère. Encore? La petite ruelle là. Attends, je vais t'aider.
Hop. Allez, Cyrus. Voilà. Voilà. Donc tu arrives, tu toques. Oui. Toc toc. Avec ton pied, hein, parce que t'as les mains prises. Oui. Et Joanna ouvre et elle est complètement bouleversée. Elle fait, mais oh non, pauvre Arthur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je suis désolée, sûrement je suis arrivée trop tard. Sûrement un Brumora qui l'a attrapé avant moi. Oh, c'est terrible, pauvre petit gamin. Ouais. Oh, y a rien à faire, j'imagine. Je pense que vu son état, non. Je peux m'occuper du corps si vous voulez. Si non, je vais le faire. Les enfants, restez sages. Tu vois qu'elle demande comment elle s'appelle à la serveuse de veiller sur les enfants. Mmh. Elle dit, je reviens, vous inquiétez pas. Et elle va récupérer le corps d'Arthur pour aller l'enterrer. Ok. Bah... Le mettre dans un linge, ouais. Le préparer quoi. Ok, bah je lui laisse et je lui rends aussi son petit jouet. Oh, c'est terrible. Ouais, tant de gens sont morts aujourd'hui. C'est abominable. Vraiment. Bon. Merci moi de l'avoir ramené. De rien, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à... Je suis toujours là pour aider. Oui, merci. Bon, je vais aller voir si je peux donner un autre coup de main. Ailleurs. À bientôt. Flipper, tu veux dire. Je vois pas de quoi tu veux parler. Pauvre gamin. Donc, bon. Très bien, très bien. Tu vas où maintenant? Je vais aller. Je vais faire le tour de la joie de porte. Je vais essayer de faire attention, de frapper un peu partout, de voir si les gens ont besoin d'aide, de si tout le monde est en sécurité. Ok, bon, tu toques à la porte, pas de réponse. Pendant ce temps-là, Sunetra, tu arrives à la boulangerie. La boulangerie, tu as cette porte qui est ouverte, entrouverte. Et tu vois le boucher et le boulanger qui sont plein de sang. Les deux sont côte à côte et gravement blessés. Tu es mute si jamais, je t'entends pas. Non, je regarde leur état. Je leur demande... Si, enfin, comment ils vont, quoi, mais bon, je vois que deux, tu sais, d'abord je regarde et tout. Oui, tu vois que deux. Et. Ils disent, ça y est, ils sont morts. Tout, oui, on a pu. Y en a un qui crache par terre du sang, il fait. On se sera bien battu. Et. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus affecté que l'autre ou. Je leur demande en fait. Tu sais quoi, je leur demande, je fais. Ça ira vous ou vous avez besoin de. Je vous appelle quelqu'un, ça ira, vous pouvez tenir? Tu vois que c'est un peu un concours de celui qui a. Un concours d'ego entre Nusret et Ogouk. Ogouk dit ouais, le nain a besoin de soin. Mais non, c'est toi qui as besoin de soin, c'est toi qui a été touché. Regarde-toi, tu pisses le sang. Non, c'est toi qui pisses le sang. Mais non, moi, c'est celui de l'ennemi. Et voilà. Ok, je regarde s'ils ont des blessures, enfin, si leur vie est en... Enfin, j'essaie de vite fait voir... Disons qu'ils ont pris les précautions de bander leurs blessures, quand même. Ouais, donc ça m'a l'air... Ça m'a pas l'air... Bon, je vous envoie quelqu'un, ne bougez pas. Et en sortant, toi, je ferme la porte, et je vais faire un Quaco Montao. Ok. Pour nuage tourmenté.
Je vais faire d'une main je donne, c'est Lorona. Le boucher et le boulanger ont besoin de soins que je ne suis capable de leur donner. Ils sont tous deux enfermés dans la boucherie. Si tu peux venir avant qu'ils passent l'arme à gauche, ça serait okay. Bien. Très bien. Donc, je lui dis ça et après je vais aller en face et je vais essayer de pulvériser ce corps de merde. Tu vas aller en face. Ah oui, la porte de l'église. Ouais. Parce que je comprends pas pourquoi il n'y a pas tous les gens dedans. En vrai. Ok. Donc je tape dessus pour l'ouvrir. Tu tapes dessus et tu entends des pas un peu affolés se diriger vers la porte et okay. Comme pour la bloquer, tu vois. Ouvrez, c'est moi! Au moment où tu demandes qu'on ouvre, y a un petit interstice qui apparaît où tu vois un œil te regarder et on t'ouvre et tu vois le prêtre. Ah, c'est vous! Oh mon dieu, que. Vous êtes c'est le jugement dernier! Rentrez vite! Vous êtes combien dedans? Deux? J'entre. Et tu vois que y a le fossoyeur aussi. Je demande au prêtre s'il sait soigner les blessures. Oui, bien évidemment, oui. Allez à la boucherie, vous avez deux clients. Et les gens qui n'ont plus de toit pourront dormir dans votre église. Évidemment, c'est terminé. Oui. Bon, tu sais, je sors ma rapière, tu vois. Elle n'est pas nettoyée, je fais. Nous sommes arrivés trop tard, mais nous avons fait le travail. Et je regarde mon épée. Ok. Tu vois que d'un regard tout affolé, il regarde à droite, à gauche, il marche vraiment avec des petits pas discrets, par peur de se faire repérer, il sait pas trop où aller, et il se dirige lentement vers la boucherie. Heureux. Bon bah après, enfin moi j'ai plus qu'un seul endroit où j'ai dit, et après j'ai plus. D'accord. Je vais aller par là, là derrière chez l'alchimiste. C'est son ancienne maison de mémoire. D'accord. Donc je vais y aller. Brag est de retour. Oui. Cool. Oui. Allez, on va passer un petit moment. Il s'est passé des choses. On veut bien pas qu'il sache. Par rapport à ce que j'ai dit, je peux faire la déduction ou pas du tout? Tu peux faire la déduction par rapport à ce que t'as dit. Oui, tu peux faire la déduction, oui. Ok. Et puis vous commencez à vous connaître, hein. Oui, bien sûr, je préfère juste demander, tu vois, c'est pas... Le truc, c'est que tu connais les circonstances, tu sais ce qui était demandé, et tu te doutes que ce qui s'est passé, bah, c'est qu'il n'y avait pas le choix. Ah bah, c'est pour ça... En vrai, je vais être tout à fait honnête, juste quand vous m'avez dit ça, c'est pour ça que j'ai, pour moi, donné un conseil. Parce que je suis pas non plus quelqu'un de... tout gentil, tout blanc. Oui. Mais que d'ailleurs, enfin voilà. Ah, de toute façon, je n'ai pas alors, fait de beauté de cœur. Hein. On verra si Brax sera au courant. Hein. C'est à vous de décider si vous voulez en parler ou pas. Moi non, j'en parlerai pas. Au pire, je regarde la rediff. Je ne parlerai de rien, moi. Sans la présence de mon avocat, je ne dirai rien. Tu m'étonnes. Surtout pas à Brag. Mais Brag, t'as raté la scène la plus... Voilà. Mais je pense que c'est pas plus mal parce qu'au moins c'est RP. Ouais, c'est sûr. Donc Brag, tu es... Tu as soigné ton ami. Il reste inconscient. Qu'est-ce que tu fais?
vu que je disais qu'il se foquait et tout, que je vois que son état est vraiment préoccupant, que c'est lié à la fumée, etc. Je vais ignorer l'autre qui est en train de se rouler dans sa merde. Je vais ranger mon épée, je vais garder mon bouclier, je vais attraper Tylor. Avec un peu de délicatesse quand même. Oui. Et je vais commencer à me diriger vers la sortie. Donc ranger mon épée, une action, l'attraper, une deuxième action, je sais pas si je dois faire un jet. Avec la sensibilité et tout ça. Non. Il est très léger par rapport à la force que tu as. toi, là, tu le soulèves, mais comme si c'était un sac de pommes de terre. Hein. Et du coup, bah, je commence à faire ma dernière action. Et puis, prochain tour, comme tout à l'heure, je traverse avec le shield devant pour vraiment le protéger le maximum, quitte à ce que je me brûle un peu moi. Tu vois. D'accord, tu as joué plusieurs tours, hein, puisque les autres ont pas mal fait des choses. Donc, je te laisse foncer dans le mur. Fais-moi quand même un jet de vigueur pour voir si tu te brûles, parce que maintenant tu as séché. Oui. Vigueur. Ouf. Et tu vas prendre des dégâts de flamme, c'est-à-dire une poutre va tomber plus ou moins sur toi, pas sur ton ami, mais sur toi. Elle est enflammée, elle est brûlante, elle est rouge incandescente, et tu vas recevoir 22 de dégâts. Oh, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Dans tous les cas, de toute façon, enfin, tous les dégâts, les trucs comme ça. Merde. Non. 105 moins 22. Oui. Ouais, mais j'ai chié. C'est pas grave. Je t'enlève les états. Ouais, merci. Faut que je me remette à 105 parce que je suis à 0. Oui, tout à fait. Waouh. Putain, j'ai tous les états dans la gueule. Ouais, oui. T'étais mi-mort donc. Et je sais plus comment on fait depuis le... Je sais plus non plus. C'est pas grave, je vais le faire manuellement. Mais dans tous les cas, quel que soit ce qui va tomber sur lui... Enfin, sur nous, dans tous les cas, je vais me rouler un peu en boule, tu sais, Vraiment, ouais. Faire en sorte qu'il prenne le moins de trucs possible, vu qu'il est déjà en train de canner. Oui. Non, il a bougé, je l'ai hit. Un lancer de nain. non, c'est pour que tu puisses traverser. Et du coup, ouais, je vais traverser avec le bouclier en avant comme tout à l'heure pour lui éviter des retours de flammes. Donc ça fait une action. Et puis deuxième action, je le mets dehors et je le mets à plat pour qu'il puisse essayer de respirer un peu l'air frais, quoi. Hein, l'air sans fumée, quoi. Oui. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que bon, maintenant, on n'est plus vraiment en situation de combat, puisque tous les ennemis ont été anéantis. Mmh. Ouais, l'autre, il se roule dans sa merde, là, à l'intérieur, il va mourir. Le feu commence à être éteint à droite, à gauche. Il y a donc moins de fumée dans l'air. Mmh. Hop, on va faire ça. Voilà. Et donc, c'était la... Non, c'était pas la dernière personne à sauver, j'allais dire une bêtise. Ta gueule. Voilà, donc cela commence à s'éclairer. Tu croises du coup l'alchimiste qui vient pour éteindre le feu de cette maison, le dernier qui reste. Et il est toujours 6 heures depuis longtemps. Oh là, il s'est passé une bonne heure. Hein. Oui. Maintenant que. Vu que tous les feux sont éteints un peu autour de moi, je vais prendre 15 minutes pour récupérer un point de focalisation et lui faire une empodement là, tu vois. Très bien. Ça correspond au temps que les autres ont passé. Du coup, Sunetra, vas-y, je te laisse avancer. Pardon. Je peux y aller, c'est bon ? Oui, pardon. En,
est d'accord que, de mémoire, elle vivait avec le barde derrière chez le... Non. Elle vivait avec son père. Ouais, c'était le l'alchimiste, son père. Oui. Ouais, il vivait derrière la boutique. Oui. Ouais, c'est bon. Non. Pardon, je voulais lire mon sort, je comptais passer tout à l'heure. Désolé, j'ai été déconnecté. Ça m'a demandé de me reconnecter. Pas de soucis. J'ai voulu bouger. Je pense que j'ai lancé mon impôt des mains, ça t'a fait bugger. Ouais, ouais, mais je pense que c'est que ça, ouais. Et non, mais je vais chez Alchimiste et je vais ouvrir, quoi. Tu vois, je t'avoue que j'ai sûrement repris mon cheval et tu vois, je tourne en ville en appelant son nom un peu partout, quoi. Et là, c'est le dernier endroit que je sais où elle était, enfin, où elle est peut-être. Ok, donc j'attends que tu te reconnectes quand même. Ouais. Ça marche pas si j'appuie directement sur guérison, c'est ça? Il fallait que je lance moi-même le truc. Ouais, faut que tu le lances toi-même parce que c'est bugué du cul. Mais ça, je pense que c'est parce qu'en fait, il y a la version 11 qui est sortie, mais je l'ai pas mis à jour parce que j'ai peur qu'il y ait des conflits avec les modules. Okay. Et du coup, ça veut dire qu'avec l'intensifié, je lance combien de dés? Je suis encore paumé avec ça. Mon temps de guérison augmente de 6, comment? En fait, quand tu appuies sur ton impôt des mains, en bas de ton sort, c'est écrit intensifié plus. Ouais, mais du coup, là, normalement... Mais c'est écrit combien? Plus 3. Donc ça veut dire que tu lances ton sort, plus 3 fois l'intensifié. Donc toi, ça fait 24 de soins. Ok, d'office, en fait, j'ai pas de trucs aucun à lancer. Dans les trucs à lancer, c'est pour les dégâts. C'est toi, pour les démons, ouais. Les démons, les morts vivants, pardon. Je vais à la porte de chez. C'est là, hein? Oui, donc, c'est là. Donc, c'est fermé. Je vais tambouriner à la porte. Tu tambourines à la porte et tu n'entends pas de réponse. Bon, je vais faire tous les trucs du quartier. Hein. Ok. Je voilà. Pardon. Du coup, tu vas à la boutique d'alchimie alors. Oui, ouais, parce que c'est la première. Donc tu ouvres la boutique d'alchimie et à ta grande surprise, elle est là. Elle est là, Rudy qui est en train de se faire soigner par l'apprenti, elle est en train de passer les ingrédients à l'apprenti et essayer de donner un coup de main comme elle le peut. Je descends de cheval. Hein? Je descends de cheval. Oui, bon. Tu m'étonnes, oui. Je vois Rudy, là, qui est pas bien. Rudy est allongé sur la table et ils sont en train de lui prodiguer des soins. En plus de ce qui a déjà été donné. Là, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est Célia qui est le plus blessée, on est d'accord? Oui, oui, plus ou moins, mais c'est parce qu'elle s'est battue et qu'elle a pas encore pris soin d'elle, mais... Bah, en gros, il me reste un sort annoncé. Et je juste, vu que je suis rassuré, parce que j'avais gardé ce sort pour. Voilà. Et qu'elle a l'air d'être en bon état. À part quelques égratignures, elle a rien du tout. Je prends la personne la plus malade des deux, enfin celle qui me paraît le moins. Et je lui lance un sort de soin. Dis-moi lequel. Tu dois lancer de quoi? Lequel des deux? C'est l'alchimiste parce qu'elle a pas reçu de soins réellement. Enfin, et elle est déjà en train de s'occuper de Rudik, donc. Elle va kiffer, je pense. Parce que je vais garder un petit sort de soins, t'imagines? Ouais.
Moi, je la soigne de 40. Pouf, ouais, full life. Oui, bah, je garde des sorts, tu vois, en fonction de qui c'est, ils ont pas les mêmes. Ah non, même pas. Même pas, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'HP, elle. Elle est très forte. Et après, je vais, tu vois... je suis fatigué, parce que, tu vois, j'ai fait un échec critique. Et à force de tourner de partout, et je vais m'effondrer dans les bras de la poutière. Non, et j'ai fait la ville en long, en large et en travers. Oui, complètement, oui. Et elle te dit, t'es là. Ah, je suis rassuré. Si seulement j'avais un moyen de te prévenir que j'étais ici. Ouais. Elle te dit, heureusement que mon père m'avait donné cette amulette. Et je regarde ce que c'est, l'amulette. Et tu vois que l'amulette, en fait, c'était un petit losange avec un cristal qui était à l'intérieur et qui a été dissous. Ouais. Ce qui lui a permis, en fait, d'être... elle était à sa boutique, elle t'explique, elle dit « J'étais à la boutique et mon père m'a dit « Si un jour tu te sens en danger, serre fort ce médaillon contre toi et tu seras en sécurité. » Et je me suis retrouvé ici. Effectivement, ça marche bien, hein. Tu vois, c'est juste rassuré. Honnêtement, là, mon personnage, t'sais, un peu comme quand tu retombes d'adrénaline et machin, tu vois, le coup de barre, enfin, le coup de barre, quoi. Ouais, oui, oui. Donc, je me pose contre elle et je bouge plus. Vraiment. Ok. Ouais. Daywin. Et. Où vas-tu? Vu que là c'était encore un petit peu le bazar, je refais un petit quaco. Un petit quaqueux mentao, là. Ah oui, Brack, t'as reçu un quaco mentao d'ailleurs pour demander des soins pour le boucher et le boulanger qui sont au nord. Mais bon, il y a le prêtre qui s'en occupe donc. Donc là, ouais, petit quaco mentao, d'une main je donne, à un nuage sur. Oh là là, nuage tourmenté Lorona ou Yorona? Lorona. Lorona. En fait, il y a deux L. Il y a deux L, mais ça se prononce un seul. C'est ça? Ouais, c'est Lorona. Lorona et nuage tourmenté. Nuage. Et alors, le nuage. C'est Yorona, mais c'est pas ça. Oui, mais on va pas parler mexicain, donc ça va aller. Hola, Yorona. On dit, on va pas parler tacos, ok? Voilà. Donc, je leur explique, ça a l'air de s'être calmé. Je leur réexplique que tout à l'heure, les trois, là, Tornade, machin et tout, nous ont dit de les rejoindre et que je m'en vais de ce pas où vous savez, et on se rejoint là-bas. Enfin, je leur explique, hein, voilà, on se rejoint au niveau de l'arbre pour aller au niveau de la secte. Enfin, de la secte. Voilà. Ouais. Votre base secrète. Voilà. Très bien. Donc, vous avez le message. Vous savez ce qu'il en est de Daywin. Brag, tu as ton ami qui reprend connaissance. Tylor te voit, tu le portes dans tes bras et il fait Oh, bah c'est vous! Oui, c'est moi. Où est-ce que je suis? Vous êtes sans ange? Je dis, vous êtes à l'extérieur de votre maison, désolé. Ça sent le brûlé, qui c'est qui a oublié le poulet du four? Tout un feu feu, mais je me dis qu'il doit avoir un petit... Il a dû prendre un petit choc sur le crâne. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir en vie. Je vais essayer de le... Je demande à l'alchimiste. L'alchimiste est à côté de moi, je suppose. Oui, il est pas loin, tu peux descendre. Si tu veux... Moi, juste à portée de voix, je lui demande où est-ce qu'il rassemble les blessés. Et s'il sait pas, je vais aller à l'église. Il te dit que tu peux l'amener à l'atelier, hein. De toute façon, il y a tout le monde là-bas. Il y a sa fille, il y a son apprenti, il y a...
à l'atelier de quoi d'alchimie. Mmh. Je sais plus où, même. Sud-ouest, à côté de la forge. Okay. À côté de la taverne. Ouais, bah la taverne, elle est là. Si c'est à côté de la forge, c'est soit là. En bas à gauche. Là. Putain. Okay. Bah, je le remercie et puis je vais y aller. Ouais, bah quand c'est okay. Tout noir, moi je me rappelle plus. Hein. Je me rappelle que je me perds dans ma propre maison. Hein. C'est vrai. J'avoue que maintenant que j'ai quadrillé la map, je me perds vachement plus que quand je l'avais pas quadrillé. C'est, oui. C'est fou comme. Oui. C'est fou comme le. Le cerveau. Ouais, le machin de guerre, ça te. Le brouillard de guerre, ouais, ça te fait top complet. Hein. Pourtant, c'est des lieux que tu connais, hein. Tu sais où ils sont. Oui, c'est... Ça a juste changé par rapport à certains événements. Mais en fait, le truc, c'est que ça te change, en fait, des. Parce que ton cerveau prend des repères par rapport aux formes. Ouais, les formes, les distances, les trucs comme ça. Et du coup, avec le brouillard de guerre, ça fait un autre effet d'optique et ça, c'est très. C'est très beaucoup la confusion. Oui, mais après, le but, c'est un incendie, vous êtes confus, c'est normal. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas par rapport à ça. Rien. C'était rigolo, la redécouverte. C'est ouais, ça. C'est ça, tu dis putain, c'est où. Du coup, j'embarque monsieur. Oui, t'embarques monsieur. Je fais des. Merde, non. J'allais dire, je fais des déplacements mordants. Mais... Est-ce qu'il y a des tours ou est-ce que je peux bouger Non, il n'y a plus de tours, voilà, tu peux y aller. Ok. Hop. Bah ouais, je vais à l'atelier. De toute façon, Daywin est parti dans l'endroit du culte. Oui, enfin, je suis pas encore rentré, moi, pour l'instant. Oui, t'es pas encore rentré, mais de toute façon. Je vérifie la zone. Ils vont pas tarder, les autres. Je regarde si. Non, il n'y a plus rien. J'allais dire un truc, mais il faut pas que je le dise. En fait, je regarde. Comment dire. Je peux m'en aller, hein, s'il faut. Non, mais après, de toute façon, ton. Voilà, Brague ne sait pas. Je regarde l'endroit où il était, tu sais, derrière l'arbre, ou le rocher, je sais plus quoi, voir s'il n'y a pas. S'il n'y a rien qui traîne, quoi. Il n'y a rien qui traîne. Ok, il n'y a rien qui traîne. Je regarde s'il n'y a plus de traces, il n'y a plus de. Non. Ok. Puis c'est tellement bordel que ouais. C'est presque intraçable. Ok, ça marche. Ouf. Donc voilà, donc Brag, tu retrouves Dame Soudetra quand même. Mm-hmm. Hein, parce que vous êtes éparpillés et tu vois qu'elle est quand même pas mal fatiguée. Hein. Elle a une mine, elle est contente, tu vois qu'elle est heureuse, elle est dans les bras de sa moitié, mais elle a l'air épuisée. Oui, je la regarde et je lui dis je pense qu'une bonne nuit de repos nous fera le plus grand bien à tous. Et là, je te regarde, je fais oh non, je suis en retard pour le bal. J'explose de rire et je dis je pense que il n'y a plus vraiment de bal. Parce que du coup, je sais pas si elle me le dit en rigolant, tu sais, comme elle est fatiguée, j'arrive pas à lire son visage, à savoir si elle me le dit en rigolant ou si elle est sérieuse, tu vois. Non, ouais, alors, c'est du sarcasme, mais oui, je vois ce que tu dis. Oui, tu vois ce que je dis. Ouais. Et c'est là que Cliffhanger, depuis le début, Soudetra est en fait sous forme démoniaque et pas sous forme humaine. Je rigole. Non, Henri, il m'aurait éclaté la gueule. Oui. Il aurait pas sauté dans le portail, il aurait tapé sur toi. Je dépose mon cher ami. Moi j'attends que tout le monde soit un peu soigné, tu vois. Et par rapport aux gens qui sont pas trop occupés, juste savoir comment ça a commencé ce délire. Ouais. Écoutez, je pense. Alors, c'est. Pour le coup, c'est Sanev qui parle. Il dit on va. Je pense que. Les explications pourront un peu attendre. On va tous se réunir à la chapelle. Ouais. On va réunir les morts, leur faire honneur. Et après, on discutera des circonstances. Ouais. J'ai fait préparer de la soupe pour ce soir pour tout le monde. Ouais. Je sais pas combien il y aura de sans-abri
ou ce genre de choses. Donc. On va voir qui on peut réunir pour reconstruire et ce qu'on peut faire pour ce drame. Oui, effectivement, oui. Là, je regarde l'alchimiste et c'est peut-être la première fois depuis le début que je le trouve sensé et bien. Parce qu'au début, on se méfiait de lui, tu vois, machin. Et toi, je lui souris, je fais... Tu vois que... Ira est fier de son père. Bah, il y a de quoi, le mec, il a joué aux sapeurs-pompiers, ils ont sauvé le forgeron. Ils ont fait des trucs de dingue. Oui. Bon, moi, je vais... Pas à Ira que... Si je suis en vie, c'est principalement grâce à elle. Ah bon? Ouais, je lui explique le coup de la succube et tout. Qui a été déguisé en poissonnière. Ok, je lui raconte plus que... Ça veut dire que... merde, comment elle s'appelait? Ça veut dire qu'Elethea est morte? Malheureusement, oui. Oh non, c'était ma meilleure amie. Et l'achat... Mais je lui dis toutes les personnes que je sais qui sont en vie et tous ceux qui ne le sont pas. Donc je lui annonce aussi la mort de Walter, je sais qu'elle l'aimait bien. Oui. Je sais qu'il y a Saria aussi, la vieille dame Saria, le vendeur de légumes, Madame Toussaint. Oh mon dieu. Ah, c'est terrible. J'ai vu Nursey, mais j'ai pas vu Clex. Clex ? Attends. C'est l'apprenti... l'apprenti boucher. J'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il est peut-être chez lui, hein, tout simplement. Je l'ai pas vu. J'ai vu Gderia, Johanna et... Nars, Rupert, tout ça sont en vie. Les nains, ils sont en vie. Le capitaine de la garde, il est en vie. Urma, il est en vie. Et là, je regarde Bragg et je lui fais Andoc, par contre, a défendu sa famille. Et il n'est plus là. Ok, triste. On va donner un enterrement décent à toutes ces. Bah oui, c'est ce qu'il me propose là, oui. Quel carnage. Bah, moi là, je t'avoue, je suis claqué, mais il va falloir... De toute façon, pour faire quoi? Faut rapporter tous les corps dans des dents. Ils vont s'en occuper, d'abord réunir tout le monde, tous les survivants à l'église, et après se disperser pour aller chercher les corps. Okay. Et puis, forcément, le professionnalisme de la chimiste prend le dessus et il dit, et par contre, il va falloir que je récupère aussi le corps des créatures pour les ausculter et les étudier. Savoir comment ils sont arrivés ici. Je lui dis, tu vois, à la taverne, il y a une bête cornue, parce que en vrai, on connaît pas le nom des monstres. Non, vous connaissez pas le nom des monstres. Et après, vous en saurez un peu plus grâce à des connaissances. Ouais, bah, je lui dis, il y a une bête cornue à la taverne qui a été pulvérisée. Il y a deux créatures de feu avec des tridents au nord et à l'est. Je lui dis, tous les cadavres de monstres que j'ai vus, je lui indique là où ils sont. Quoi. Ok. Et je proposerai de venir avec moi et aller chercher Fleya et commencer à t'appeler les vivants pour les que tout le monde se rejoigne à l'église, quoi. Ouais, ils vont s'occuper, ils vont se regrouper. Comme ça vous laisse le temps d'aller à l'endroit de culte, parce que l'heure tourne. Et oui. N'oublie pas le Quaco Mantao. On a reçu un Quaco Mantao là-dessus? Putain, deux fois quoi. Oui, vous avez reçu un Quaco Mantao de Daywin qui vous dit d'aller à l'endroit de réunion. Il y a tornade machin et tout le bordel qui nous a dit de se réunir. C'est deux fois que je vous le dis.
D'accord. Ouais, bah, excuse-moi, Dieu, il parle trop en ce moment. Ouais. Ouais, pour le coup, j'ai même pas calculé, tu vois. Bah, moi, ouais, j'étais dans une maison en flamme, donc c'est un peu dur à calculer, je t'avoue, hein. Ah. Ah, non, mais ah, voilà. Maqué voilà. Qu'est-ce que vous faites là je le mets là, mais il est déjà dans l'endroit. Maqué. Voilà, je commence déjà à rassembler un peu les pneus. Les pneus, c'est là l'endroit. Hein. C'est là où il y a les pneus. Les pneus. Où est-ce que tu es Attends, je te vois pas. Non, je suis ton pointeur là. De. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ouais, c'est... Donc c'est l'autre en bas. Je me disais que celle-là est trop grande, ruelle. À droite. Ouais, ici. Moi, je suis là, ouais. C'est là. Ah oui, dans ouais. La petite ruelle bien chiante là, ouais, à droite. Courage, courage. Tu peux y arriver. Ouais, c'est bon. Si vous voulez une bonne nouvelle, la vendeuse d'animaux elle est morte. Vous n'avez pas besoin de lui rendre les chevaux. Oh, on a c'est des chevaux gratuits. Une nouvelle, hein. Ah ouais. C'est bien, c'est bête. Moi, elle ne m'aimait pas. Oui, ouais. Bon, en même temps, elle avait des raisons, hein. Personne ne m'aime. Ça, c'est pas vrai, on t'a appris leur caractère. Non, il y a pas coup. Mais bon, toi, tu refuses, donc... Ah, il a une femme. Tu rejettes son amour. C'est pas, et pas mon alors, truc. Ça peut être un amour platonique. Ouais. Pouet, 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 pouet. Bon, il n'en très bien. Reste à plus qu'un. Donc, hop, 1-2. Brag, j'imagine qu'il va aussi. Oui, je te pose la question, mais c'est pour te mettre là-bas. Hein. Oui, je suis là-bas. C'est juste que vous soyez rassemblés au même endroit quand je vous remettrai sur la map. Il n'y a pas de soucis. Hop, voilà. Salle du conseil. Hop, voilà. Je mets vos tokens, ça va venir. Waouh, il n'y a pas coup. Ils sont pas masqués. Et ils sont pas masqués, bien sûr que non. Oh, il n'y a pas coup. Comme c'est sûr, vraiment. Ouais. Voilà. Je lui demande si ça va mieux à Pacou. Oui, oui, ça va mieux, ça va mieux. Merci beaucoup. J'ai retrouvé le sourire grâce à vous. Mmh. Grâce mais bon, à nous, grâce à vous. Il semblerait que l'affaire soit grave. Non. Soyons sérieux, ce n'est pas le moment. Bien que plus tard, peut-être, autour d'une coupe de vin. N'est-ce pas? Ouais, Daewin adore le vin. Oui. Ouais. Bref, c'était quoi ce bordel? Bref, oui. Je pense qu'on va pas attendre les autres, on ne sait pas vraiment où ils sont. Ce qu'il s'est passé. Tout d'abord... Dans le cas d'extrême urgence, forcément, nous sommes là tous à visage découvert. Mmh. Ombre Mouvante avait dirigé l'opération d'espionnage auprès de notre cible. Mmh. La cible avait pris une chambre arrivée à la nuitée. Il est passé à la taverne boire un verre. Ensuite, il est allé à la bibliothèque, il y a passé la journée entière. Et il y a 2 heures, alors que Ombre Mouvante s'apprêtait à
on était tous en position pour une embuscade, l'empêcher de sortir de la ville, l'attraper de manière discrète, l'assassiner et récupérer l'objet. Seulement, au moment d'agir, il nous a devancé et il a invoqué un élémentaire de feu dans la bibliothèque. Il nous a pas laissé, il a pas attendu de sortir pour qu'on l'attrape. Dans l'élan de panique, forcément, on n'a pas eu d'autre choix que de l'attaquer. Il s'est téléporté, comme il l'a fait avec vous, sur une courte distance. Nous avons essayé de le poursuivre, mais les élémentaires pleuvaient. Et lorsqu'on a perdu sa trace visuellement, un portail démoniaque s'est ouvert et des cacodémons et des brimorax sont sortis, ainsi qu'une succube. On ne sait pas comment il a pu faire cela et comment c'est possible alors qu'il n'a pas traversé la frontière. Mais je pense que plus il se rapproche du nord, plus il gagne en puissance. Actuellement, Dag Funeste est sur sa trace. Il est parti, il voulait s'en occuper personnellement. On n'a pas de nouvelles d'ombre mouvante. Dag Funeste, c'était le chef, hein? Oui. Voilà ce qui s'est passé. Okay. Donc on sait qu'il part vers le nord. Où est-ce qu'il va passer la frontière, on ne sait pas. Donc, et on ne sait toujours pas pourquoi. Et je ne comprends pas pourquoi il a pu ouvrir un portail démoniaque ici. Est-ce qu'il est possible qu'il ait trouvé quelque chose à Ardag? Je ne sais pas. Attendez. Il aurait ouvert un portail démoniaque comme celui qu'on aurait vu. Là, je regarde Sunetra. Mais c'était une femme. C'était pas... Non, mais la succube a pris le portail pour rentrer chez elle. Il a fait la même chose pour invoquer des démons. D'accord. Ok. Donc là, on sait pas du tout où il est. Bah, il est parti au nord. Il y a le chef de la guilde qui a son... Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bien... Est-ce qu'on attend des nouvelles ou est-ce qu'on prend l'initiative d'aller tous à sa poursuite? Ah bah, moi je serais pour le traquer. Il a tellement fait la merde que... J'ai qu'une envie, c'est d'aller le bully, là. Moi, je pense que le traquer, c'est... Enfin, c'est courir à notre mort. Il faut des infos. On sait pas où il va, on sait pas de quoi il est capable. On est surpris qu'il invoque des choses ici. Il est capable de quasiment tous nous tuer. Plus on ira au nord, plus ça sera fort, en fait. Je pense que l'attaquer comme son frontal est une mauvaise idée. Par contre, le nord de la région regorge de fortins et d'armées prêtes à affronter des démons. Par contre, j'ai vu que vous aviez un ami avec vous. Ah oui, il est plus là. Il est où d'ailleurs? Il a sauté dans le portail démoniaque. Ah. Oh le fou. Ah bon, on peut dire qu'il est mort. Qu'il est mort. Oui. Bah, son désir le plus grand était de mourir dans l'honneur en tuant des démons. Je crois qu'il... Il a atteint son objectif. Il y a Dernier Silence qui regarde ton adéchiné et qui lui dit il aurait presque pu faire partie des bouchers. Les bouchers? Oui, les bouchers. C'est qui les bouchers?
J'avoue, je dis ça juste pour me la péter, mais... C'est des pères écorcheurs. Oui, c'est les écorcheurs, voilà. Ah ! Oui, je comprends mieux. Parce que là, les bouchers, je comprenais pas. Oui, bon, ils les appellent grossièrement les bouchers. Ah. Parce ouais, qu'ils font pas partie de cette... Ouais, on les appelle des bouchers, les assassins. Mmh. Et bah, ouais. Moi, je pense que... Il va falloir déjà garder la face et enfin, faire en sorte d'aider pour la ville. Ouais, je pense que le moment est venu de se recueillir. Et de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire dans la bibliothèque et qu'est-ce qu'il a pu trouver. Mais il faut quand même qu'on ait toujours une piste et qu'on sache où est Dag Funeste. Au moins pour couvrir ses arrières s'il en a besoin. On lui doit bien ça. Donc, qui y va ? Demande Paku. Qui reste ici pour chercher et qui part à la traque Et vu que vous êtes deux équipes, à vous de voir. Vu mes compétences personnelles, je pense que je serai plus efficace sur le terrain que sur de la recherche. Je serai plus efficace. T'en as déchiré, dis, parle pour toi. Moi, je serais plus efficace ici pour les recherches, les informations et qu'à traquer. Bon, le mieux, c'est que notre équipe reste ici, du coup, et l'équipe de Tornade Déchaînée nous tient au courant s'ils trouvent une piste. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais il y a Tornade Déchaînée qui dit « Ouais, on a plus d'expérience sur le terrain et puis on saura agir. » Oui, et puis si vous avez besoin d'aide, vous savez comment nous contacter. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on a toujours la pierre. Et puis, tu vois, elle montre un caillou violet qui brille. Et c'est quoi cette pierre ? Vous saurez avec le temps. Et elle l'arrange. Ok. Bon. Et ben, en attendant, rendons service au peuple, j'ai envie de dire. Il serait temps de reconstruire et de pleurer les morts. Très bien. Mais écoutez, on y va. Ok. Que Norgorber vous garde. De même. Que l'ombre vous protège. Très bien. Est-ce que vous voulez dire quelques mots à Paku avant de remonter ? Non, moi je suis juste en train de le voir. Je vais lui faire une accolade. Vous êtes quand même arrivé pile à temps. Je vais dire heureuse de vous voir vivant. Je vous en dois. Quand même. Mais moi donc. Mais c'est vous qui avez tenu bon jusque là. C'est vous qui vous êtes battu jusque là. Oui, oui, évidemment. On ne pensait pas que le danger serait si grand. Je ne sais pas pourquoi Dag Funeste a autant confiance en vous alors que vous venez d'entrer dans l'organisation. Mais maintenant, je le comprends. C'est gentil. Je n'attendais pas de réponse. Vous avez fait du bon travail. Moi, je lui dis à Paku que les gens du quartier ont décidé de se réunir à l'église. Oui, oui, j'ai entendu dire. On ne devrait pas trop tarder, d'ailleurs. Ouais. Ils vont nous attendre, sinon. Exactement. Il ne faudrait pas qu'ils se doutent de quelque chose. C'est un peu pour faire taire, tu vois, le genre « Ah, vous êtes fort, vous êtes beau », tu vois. Tant que ça m'agace, c'est... Ouais, ouais. Ah, cet escalier, bon, c'est normal, je vais vous TP, vous en faites pas.
Vous en faites pas. La sorcière est pétée, quoi. Putain de démon. Putain de démon, cul, oui. Hop. Très bien. Hop, moi le quart, parfait. Je vous laisse avancer jusqu'à l'église. Ah, ouais, s'il te plaît. Comment ? Je peux pas nous téléporter. Emmène-nous. Ok, je vous emmène. Ah, c'est cette ruelle de l'enfer, là. Mais c'est ça. Chiant. C'est ça. Le reste, ok, mais ça... Oublie pas mon loup, STP. Non, mais... Mon petit service. Ouais, c'est bon, là. Ça voilà. Va. Merci. Une chose. Quand vous vous approchez de l'église, hop, je mets une petite pause, vous entendez des chevaux au galop approcher, et vous voyez quelqu'un arriver. Il s'agit de Lundsberg. Ah. Équipé d'une armure complète de chevalier, avec quelques gardes avec lui, et il fait « Oh là là, c'est quoi tout ça, on a vu le feu, je me suis préparé, on allait préparer le banquet, la fête, tout ça, et qu'est-ce que c'est que toute cette diablerie ?» Je veux dire, un sorcier a invoqué... une sorte, enfin, une armée de démons survit de différents portails et s'est attaqué au quartier et nous l'avons défendu. Tous. Mon Dieu, c'est horrible. Laissez-moi. Non, faut pas le, faut pas le voir ça. En fufu. C'est pas compris. Ouais, voilà. Oh c'est normal. Oui, oui. Oh, voilà. Oui. Ah. C'est triste. Et je lui dis, bah, nous avons fait de notre mieux, mais... entre les dégâts matériels et humains, il y a beaucoup de travail. Oh là là, j'arrive trop tard, je suis tellement désolé. Je vais chuchoter. Ne vous en faites pas, la famille de Valois, comme je vous avais fait la promesse, veille sur ton quartier. Écoutez, j'ai tout de même une parole et un honneur à respecter. Je n'ai pas pu agir pendant l'action. Je vais me porter garant pour que toute personne qui a perdu son chez-soi... puisse loger dans mon manoir en attendant de reconstruire. Mais les sans-abri vont vivre leur meilleure vie. Et il fait bon. Il dit à ses gardes d'attendre ici et il ouvre la porte et t'invite à rentrer. Ouais, je suis en pause alors je peux pas, mais. Ah oui, pardon. Bah, pardon, pardon. Moi, je marmonne un peu dans ma bouche en le laissant passer. Tu entends, même si ça se passe derrière toi, Sunetra, que Pacu dit quand même à Lundsberg, vous choisissez bien vos dames, vous. N'empêche, on aurait quand même sauvé plus de monde s'il aurait pas mis autant de temps à mettre son armure. Hein. Voilà. Et voilà, et voilà. Ça parle mal. Ah, désolé, mais oh là là, mais j'arrive trop tard. Il reste qu'un garde dans notre quartier et c'est le seul qui est corrompu, quoi. Super. Non, il reste un garde ou deux qui sont gravement blessés. N'abusons pas, hein. C'est juste que je les ai pas mis. Non, dis donc, il y a du monde. Il en reste. Ouais, mais bon, il y a beaucoup moins de monde que... Ouais. Donc,
On va mettre les... Voilà. Ça va, c'est un bon ratio. Il y a plus de monde ici que dans le cimetière. Ouais, ça va. Si on... Ouais, mais bon. Vaut mieux voir le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Bah oui. Le forgeron a retrouvé sa taille. Oui, le forgeron a retrouvé sa taille. C'est 10 minutes, hein, pas 3 heures. Oui, c'est juste une minute. Hein, ouais. Ah, c'était une minute. En par, contre, la prochaine fois, moi je dis rien, mais lis la potion, c'est très petit la taille. Ouais. Mais c'était rigolo là dans l'action. Oui. Tu le mets dans ta poche et c'est bon. Ouais, normalement, ouais, tu peux le mettre dans ta poche. Oui. Tac, voilà. Donc j'en ai chié pour rien en fait là, c'est ça? Ouais bah au moins je me suis pas passé pour rien. Par hasard scénaristique. Ouais, la potion n'a marché qu'à moitié, voilà. Ah, ouais, elle était périmée, t'as pas regardé l'étiquette. Voilà, c'est ça, le maître alchimiste t'aurait expliqué quoi. Vous voyez aussi que, ben, vous l'avez pas remarqué, mais il y a aussi Félix Itakion qui est là. En fait, aussi. Depuis le début, il était caché derrière la statue dans le temple. Le prêtre l'a pas vu. Et l'apprenti boucher aussi, il est là. Cool. Mais... Là, l'apprenti boucher était chez lui. Il y a le fossoyeur, il aura du boulot. Mais ça, je l'ai vu, ouais. Ouais, lui, c'est le seul mec blasé, tu sais. Au chômage. Je regarde la fille du chasseur, comment elle va. Elle cherche son père. C'est horrible. Elle dit pourquoi ouais. Papa il est pas là. Loana lui a pas dit ce... Putain. Non pas vraiment. Je vais y aller, je vais me mettre à genoux et je vais la serrer dans les bras et je vais lui dire que son papa il a rejoint... Ton papa il est pas là, ton papa il est mort. Il a rejoint les étoiles et que maintenant... Il verra sur elle la nuit. Et... Après, point positif, hein, le fossoyeur est tellement lent que son corps restera là un moment avant d'être enterré. C'est horrible. Ça veut lui faire un dernier câlin. Par contre, il manque Fléa. Fléa, elle est où? Elle est morte. Ah non, elle est là, c'est bon. Non, il y a tout le monde. D'ailleurs, je vous fais avancer, voilà. Je sorte juste de faire le petit dialogue et puis on s'arrêtera là. Au pire, tu me dis, tu me l'écris si jamais Tom ça pose problème si pour parler. Ouais. J'ai déjà essayé de diminuer un peu le volume. Ouais. Parler trop fort. Vous regardez les gens qui sont présents, il en manque beaucoup, de toutes les classes, race, de tout âge. Le prêtre va commencer par une prière. Et puis après, il invitera tout le monde à aller au cimetière pour honorer leur mémoire. Mais après sa prière, l'alchimiste, plus terre à terre, va dire « Écoutez, mes amis, de toujours, nous avons tous vécu des choses fortes ensemble. Et ce drame ne peut se reproduire. Vous devez comprendre que notre deuil devra attendre et nous devons reboucler un maximum d'informations pour que cela n'arrive pas dans d'autres quartiers, que cela n'arrive plus du tout. Donc, si vous avez remarqué des choses qui vous paraissent suspectes, je pense que ce sera le moment d'en parler à notre cher capitaine de la garde qui est là,
et qui s'est battu vaillamment, afin que les informations remontent à notre seigneur et que l'on soit enfin de nouveau en sécurité chez nous. Est-ce que quelqu'un a vu des choses? Et il y a Tylor qui va prendre la parole et qui dit « J'ai vu un homme bizarre dans la nuit. Il s'est infiltré comme une ombre. C'est très bizarre et c'est comme si... Et j'ai remarqué que certains de mes livres, mes ouvrages avaient disparu. » Oh. Et vous avez des titres de ces ouvrages ? Eh bien, j'ai remarqué que il y avait... ils parlaient tous de démonologie. Ce sont des vieux ouvrages cryptés. Malheureusement, je ne parle pas le démon. Il restait des choses à traduire. Nous n'avons pas de connaissances là-dessus. Ma chère défunte collègue, bien que arrogante, n'avait pas non plus le temps et l'envie de s'occuper de ces ouvrages-là. Mais je ne suis pas là pour salir sa mémoire. Elle a tout de même fait un travail remarquable la journée. Et il reste des bouquins. Je suis très triste qu'elle ait subi cela. Des livres, non. On en avait très peu, des ouvrages à décrypter. Ça, c'était des ouvrages qui parlaient de l'invasion avant que les terres du Nord ne deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Oui. Vous avez d'autres ouvrages que vous ne savez pas décrypter ? Pour d'autres sujets. Parce que savoir de quoi ça part, ça aurait peut-être pu nous prémunir de ces biens. Il y a un ouvrage écrit apparemment dans la langue des anges qu'on garde précieusement. Ouais, mais on va faire en sorte de trouver quelqu'un qui pourra le traduire. Ça serait... Enfin voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est des super infos, ouais. Il y a la servante de l'auberge, Fléa, je crois que c'est. Urma, pardon. Urma, ouais. Urma qui va dire moi aussi j'ai vu quelqu'un de bizarre à l'auberge. Je lui ai servi à manger et à boire. Il a quasiment pas touché à son assiette. Il est resté silencieux. Pas une politesse. Juste une pièce d'or sur la table. Et il est reparti comme il est venu. Il était très bizarre. Il a même pas... Enfin, il a gardé son masque. Il était masqué ? Oui. C'était quoi comme masque ? Un masque sous sa capuche qui couvrait... Enfin, j'ai pas très bien vu, mais... C'est ce que j'ai remarqué quand je n'ai pas réussi à apercevoir sa bouche. Il n'a même pas daigné m'adresser la parole. J'ai pensé qu'il était muet, alors je lui ai servi ce qu'on sert à tout le monde. Et il n'y a quasiment pas touché. Ok. Et c'était quand, ça ? C'était hier soir. Il est arrivé avant la fermeture. Okay. Le bar était quasiment vide. Enfin voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué quelque chose de bizarre ? Et tu vois que tout le monde se tait. Fait bon.
J'essaie de regarder Pacou, voir s'il tape sa gueule ou s'il va l'ouvrir. Non, Pacou reste silencieux. Il scrute un peu tout le monde, voir si quelqu'un chercherait pas à cacher quelque chose. Ouais, c'était c'est un peu l'idée, ouais. Moi, je me dis que j'ai fait le bon choix. Quelqu'un qui ose pas dire un truc, quoi. Ouais. Et il y a du coup Lundsberg qui va prendre la parole et proposer aux gens de les héberger, ceux qui ont perdu leur maison. Il leur demandait d'aller dans ce qui reste de leur chez eux, de prendre des affaires. S'ils n'en ont pas, c'est pas grave. Il leur offrira des vêtements et les logera à titre gracieux en attendant que leur maison soit reconstruite. Vous voyez le prêtre, vous voyez le sans-abri qui voit des étoiles dans ses yeux et le prêtre qui dit non, non, t'as pas de chez toi, toi. Tu vas rester à l'église. Chez. Il est horrible, le gars. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie. Alors toi, tu devrais pas la ramener parce que toi aussi, t'as pas de chez toi. Exactement. Moi, mon chez moi, c'est la nature. C'est la vie. Que rajouter de plus les gens vont se séparer, ils vont commencer à se disperser vers le cimetière. C'est à ce moment-là que je baisse la musique. Tom, 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 tom. Non. Oh. Hop. Je vous déplace aussi en même temps. Hein. Wow. Oh, c'est triste. Le soleil va finir par se coucher totalement. Vous finirez éclairé par les quelques torches tenues par les villageois et les quelques bougies qui sont allumées sur les tombes fraîchement creusées. Là, y a même un orphelin qui est mort. Ouais, putain, franchement. Horrible. Ouais, c'est triste. Ça va chialer. Non. Non, dit-elle en chialant. Ah non, non, non. Je rigole. Voilà, c'est un moment où les gens se repentent. Repentent, pardon. Ouais, on va éviter qu'ils se pendent, quoi. De toute façon, ils sont déjà morts, alors, j'ai envie de dire. Ouais, là, c'est la fatigue, là, qui parle. Ouais, je sais. Ah non, tu parlais d'eux. Ah, ça ferait trop de morts, là, sinon, dans le cimetière, je crois. C'est pas le bon enfant. C'est pas le bon enfant. Ah oui. Pardon, ça, c'est la fille du forgeron. Elle est où? À côté de moi. À côté de toi. Oui, elle est là. Merci. Papa. C'est pas le bon enfant. C'est tout. Voilà. Bon. Bah, c'est pas très gay, hein. Moi, je me casse. Mais. Non, mais je vais aller m'asseoir sous cet arbre, là, un peu loin de toutes ces larmes. Moi, je vais me repentir avec respect. Et non pas me rependre. Ouais, te pends pas, on a besoin de toi quand même. Mais non, mais en fait, c'est que je me moque pas, c'est juste imaginer tous les gens vivants quand se fait chier à sauver qui se pendent, ça me casse de l'air. Le fossoyeur qui dit « Oh merde, il y a encore du boulot !» Ça fait chier. Donc je me moque pas de ton erreur, c'est vraiment imaginer la scène qui me fume de l'air. Oh putain, le fossoyeur, je vais mettre un an, moi! Enterrer tout ce monde! Oh putain. Voilà. Moi, j'adore. Là, il y a un ouvrier. Il y en a un autre. Attends, on va échanger les places. C'est pour les gens qui se repentent quand même, autant que ce soit dans un ordre défini, parce que ben, forcément les ouvriers qui ont travaillé avec d'autres ouvriers. Le boucher, tu devrais le monter en haut. Pourquoi? Bah, c'est sa femme quand même.
Oh putain, oui. Oh, putain, la merde. Oh merde, putain. Bah, c'est ça. Oh, mais excusez-moi, j'ai fait trop de liens, moi je sais plus. Heureusement qu'on suit quand même un peu plus. Ouais, mais c'est bien, moi, vous avez suivi. Je crois que tu te rends pas compte là, mon papier, tout ce que j'ai dû supprimer. Oui, c'est horrible. Oui, mais après, ça va faire mal aussi quand je vais supprimer la liste des PNJ. Ah, tu les mets dans PNJ mort quand même. Ouais, ouais, ne serait-ce que pour garder leur identité, quoi. Voilà. Ils ont existé quand même. Ils ont été aimés. Bah, j'ai le prénom de tous quand même, hein. Ah, moi j'ai le prénom de certains, et puis il y en a. Enfin, il y en a une surtout, je suis pas spécialement triste, honnêtement. Ah. On se demande vraiment qui, hein. Ouais, je sais pas. Bah, ça parce que t'aimes pas le poisson quand même. Ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Voilà. Eh bien, c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Hein. Oh. Super. Cette note de tristesse. Ouais, oui. Mais c'est comme triste. Ça. C'est la vie. Il y a quelqu'un qui va la pleurer, la bibliothécaire, là. Oui, quand même. Il y a son mari et son collègue. Il y avait quelqu'un assez fou pour l'épouser. Eh oui, le boucher. Ah oui, hein. C'est vrai. C'est vrai, oui. Et on... oublié. On disait qu'il était comme ça parce que le boucher il faisait pas son métier. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai. Oui oui non mais j'ai pas dit ouais ouais en mode ouais 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 en mode ouais ouais je t'écoute ouais. Y a Paco qui vient de voir des oui, il oui. Dit, ça vient toujours pour le verre. Ma femme est en voyage. Ah. Oh, mais bah vous savez quoi bah vous savez quoi ouais j'en ai bien besoin. Allez. Maqué, c'est parti. Maqué. Ce soir, ça va, Ken. Ah non, non. Je propose à la gamine de venir dormir à la maison. D'accord. Je propose à Ira aussi. Hein, et... Ok. Très bien. La gamine te dit oh, ben, je serai toujours mieux qu'avec les garçons. Ok. Bah oui, c'est normal. Et il est pas encore parti, Lundsberg. Non, il est pas parti. En fait, il attend que les gens aient fini, en fait, que de prendre le temps avant de qu'ils se regroupent et de les amener chez lui. Je vais discuter un peu avec lui, mais un peu en aparté, tu vois. Oui. Pour lui dire que bah, je vais. Bah, voilà, qu'on va faire le nécessaire pour reconstruire au plus vite ce qui a oui, été. Bien sûr. Et qu'il évidemment. Faudrait. Ça va être une mission pour nous. Mmh. Oui. Ces gens ont jamais eu autant besoin d'aide que maintenant. Exactement. Et qu'il va falloir peut-être renflouer en termes de garde et en termes d'habitants aussi. Hein. Ouais, je vais. Travailler là-dessus. Là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je resterai dans le quartier pour assurer toute sa reconstruction. Oui. D'ailleurs, bon, c'est peut-être une maigre bonne nouvelle comparée à ce désastre, mais votre mine réouvre. Ah bah, les premiers bénéfices seront utiles pour nos gens. Après, évidemment. C'est ça, la noblesse. Bon. Évidemment. Voilà, et puis après, je parle de trivialité, mais tu vois, juste histoire de, voilà, de le rassurer sur le fait que bah, je prends mon rôle à cœur de, tu vois, de m'occuper ouais. Des gens. Ok. Très bien. Si jamais il y a quelque chose que tu veux ajouter, Brag, et sinon... Non, moi, je veux vraiment juste me recueillir sur chacune des tombes, même celle de la bibliothécaire, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qui mérite de mourir. D'accord.
Enfin oui, prier pour leurs âmes, etc. Hein, par rapport à Pharasma. Et puis faire ma méditation habituelle et essayer de trouver un peu de repos. Oui. Ah, alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez, si vous voulez, une taverne où quelqu'un serait très heureux de vous revoir. Bah, pas le tavernier, en tout cas. Voilà. Pas le tavernier. Le tavernier est mort. Moi, je l'aimais bien, le tavernier. Ouais, bah, l'aubergiste. Oui, ouais, mais l'aubergiste est mieux, je trouve. Laisse-moi tranquille. C'est deux personnes différentes. Oui, c'est sûr. L'aubergiste avec ses coins de pêche, le tavernier avec ses petits coups à boire et ses recettes de cuisine. C'est deux choses différentes. Ouais. Bah ouais, moi il m'a eu avec le ventre. Ouais. J'aime mieux Francis, mais c'est voilà. Ouais. Je me souviens d'une pool party. Ouais. On a savonné. Il s'en souvient encore, lui aussi. Bon, ben malheureusement, ben, vous avez tous perdu au moins quelqu'un que vous aimez bien. Ouf. Moi j'aime personne donc. J'ai réussi à. Oui, mais toi t'es une connasse, voilà. Arrête de faire cramer son. Merde quoi. Si, franchement, franchement, si, j'avoue que Paco serait mort, ça m'aurait fait chier un peu, tu vois. J'aime bien le taquiner et tout machin donc. Merde, je regarde de l'avoir sauvé du coup. Bon, après les autres. Ah, mais j'ai au moins pu sauver Tylor, c'est déjà ça. Oui. Disons que le but était que vous sauviez quelqu'un que vous appréciez en priorité. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Genre et plus ça. De toute façon, une quatrième personne. Mais... Oui, voilà. Bon, elle a sauvé le forgeron quand même. Hein. Elle s'est peut-être dit, tiens, ça serait rentable qu'il améliore mon épée enfin. Bah oui, quand même. Ça, en fait. Un forgeron dans une ville, c'est toujours rentable. Non. Bon, et tu vas pas me dire que tu l'aimais pas aussi, Alice. Ouais. Non, mais tu. T'as fait trempette avec elle. Elle cueille des poissons à main nue. C'est parce qu'elle puait. Il fallait la laver, c'est tout. J'ai rendu service. Voilà. Un service pour un service. Non, moi, je pense que c'est un jeu d'acteur. Elle fait croire qu'elle est sans cœur, mais pas du tout. Tu veux que je te rappelle ce que j'ai fait tout à l'heure ou pas? Vas-y, explique-le à Brag. Ouais, c'est bien, ouais. Vas-y. Ouais, vas-y. Qui t'a tué encore? Fallait sauver tout le monde. Fallait que personne ne sache. Fallait que personne ne sache. Quelqu'un on a trop vu. Dis-toi que dans les morts, il y en a un qui est pas mort d'un démon. C'est tout. Mais ouais, tu es une démon, ça. Est-ce que tu as tué cette personne pour protéger quelqu'un du groupe? Oui. Ah, bah oui. C'est déjà ça. Oui, non, c'était pas gratuit. Ouais, mais si tu savais. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'était pas comme le cochon au milieu de la rue. Non, c'était. Enfin. Est-ce que c'était quelqu'un que j'aime bien? Bah. Je comment dire tu vas mourir. Non. Bon, on va dire que. On va dire que c'est quelqu'un que j'ai tué qui ne manquera pas à personne parce que de toute façon il n'y avait pas de famille. C'est l'orphelin que t'as buté. Mais t'es horrible. Oh là là. Le pire c'est qu'elle l'a cherché. J'ai cherché mais il était trop tard. En fait, qu'est-ce qu'il avait vu, l'orphelin? Ah, il en avait trop vu. Il avait vu quoi? Il avait vu les trois personnes, tornades, etc., rentrer dans le... à l'endroit. Mais en vrai... Alors, moi, je te dis, mais en vrai, j'aurais plus engueulé eux que l'orphelin. Bah, moi, je les aurais engueulés et je les aurais forcés à embaucher l'orphelin en tant qu'informateur. Ouais, vous cherchez trop compliqué. Personne se méfie des orphelins et ils ont toujours les oreilles qui traînent dans les villes. Un enfant, ça parle trop. Ça dépend. Moi, je fais pas confiance aux enfants. Vous savez pas, hein, peut-être que les orphelins font partie de l'organisation aussi. Hein. Peut-être. Ça me fait un peu penser à Skyrim et la guilde des voleurs, tu vois. Ouais, moi, ça me fait penser aux loulous, là, dans...
En vrai, pour le coup, je pense qu'on aurait, enfin, ça aurait pu être géré autrement. Alors, il faisait, alors, il faisait vraiment partie. S'il faisait vraiment partie de la du culte, il aurait pas dit. Oh, j'ai vu trois personnes rentrer dans cet endroit. Non, ouais, ça, il aurait fermé sa gueule. Il aurait rien dit. T'avais juste envie de tuer un innocent, c'est bon. Non, non, il aurait vraiment il aurait rien dit. Bragg le sait pas. Bragg ne le sait pas. Oui. Essaye de faire en sorte qu'il ne le sache. Ah non, bah, ah bah oui, bah je sais, vu comment Bragg pense, sa manière de penser, oui, vaut mieux qu'il ne le sache pas. Oui. Mais, ouais. Ça... Un jour ça t'échappe, tu auras à rendre des comptes. Sur cette note, bon, on va quand même s'arrêter. Sur cette menace, arrêtons-nous là. Il va se faire tard, et sachez que vous avez terminé le chapitre 2. Est-ce oh là là. XP. Est-ce que vous passez niveau 8, tu veux dire? Pas forcément. Non. Est-ce qu'on a non, 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 en fait, tu gagnes de l'XP, mais à 5 points près, on est encore level 7. C'est cool. Est-ce qu'on monte de level, ça, je sais pas, mais est-ce qu'on a gagné? Est-ce que vous méritez votre niveau 8? Bon, vous avez quand même sauvé des gens. Eh, on a sauvé quand même pas mal de monde, hein. Oui. Sans compter ceux que Poussin a tués. Non, parce que bon... Elle fait un douzième des morts, quoi. C'est quand même pas mal. Quoi? Eh bien, vous savez quoi? On va considérer que vous n'êtes pas monté niveau 8 encore. Mm-hmm. Par contre, il vous manque pas grand-chose pour le monter. Mm-hmm. On met donc, combien à vous de voir si vous voulez faire des quêtes annexes. Après tout, elles sont là pour ça aussi. Ouais, évidemment. Vous êtes combien? Vous considérez que vous êtes à 90% du niveau? Non mais c'était juste pour remplir la fiche, hein. Sinon c'est pas grave, on garde dans un coin de la tête. Bah et c'est 1000 points, tu t'en mets 900. C'est 1000 points le level? C'est 1000 points le level, ouais. Ok. Avec tout ce que vous avez fait depuis votre début, parce que vous êtes niveau 7 depuis le début de la campagne. Oui. C'est quand même passé beaucoup de choses. Depuis. Oui. Donc bon. Le chapitre 2 est clos. Eh bien, c'était très bien. Oui. Mais oui, je vais te sortir. Là, on va avoir quelques jours de repos. Si on a plein de trucs à faire, on peut le faire voir avec toi directement sans... Ça dépend ce genre de choses. Enfin, si vous voulez faire des achats, des choses comme ça, on vaut mieux qu'on se cale en vocal peut-être. Pour prendre, si vous voulez, on prend une journée de pause. Vous faites tout ce que vous voulez. Et on n'est pas obligé d'organiser une partie pour ça. On ouais, va pas gagner de sous, donc les achats. Après, sont... des achats. Considérez que c'est vous allez passer peut-être. Vous allez passer deux nuits à Ardag avant de partir pour le voyage où vous voulez. Un voyage, si vous voulez partir quelque part, vous avez des missions annexes, vous avez des choses à faire. Il y en a des choses, il y a une chier. Si vous voulez enquêter, de toute façon, vous allez enquêter au sein d'Ardag, mais il y a des choses aussi à l'extérieur qui se passent. Pas forcément dans la terre des démons, ou à la frontière. Puis après, peut-être en profiter pour avancer sur notre histoire perso aussi. Exactement, il y a des choses sur votre histoire perso qui peuvent se faire en ville. Donc considérez que si vous avez des achats à faire, si vous avez des choses à vivre avec des gens qui n'impactent pas l'histoire, considérez que vous avez une journée pour vous et une journée que vous passerez tous les trois ensemble où ce sera enquête sur l'histoire principale ou les quêtes annexes qui sont disponibles. Mais vous avez une journée pour vous parce que vous vous remettez de vos blessures, du choc émotionnel, vous faites votre deuil. Voilà. Ok. Et puis vous préparez à un futur voyage, si besoin, si d'un point de vue matériel. Et puis après, il y aura tout ce qui est enquête et tout ça. Dans le deuxième jour, et ce sera la prochaine séance. T'avais raison, j'avais bien 25 de ça, et ça avait compté la fatigue. Ah. Ça change rien, hein, mais... Oui. Bon allez, arrêtez cette musique déprimante. Hop. Eh bien, merci pour cette séance. Merci beaucoup. De rien. Je vais faire caca. Bonne soirée. Bonne soirée.
C'est bien, la VOD se termine sur ça. Je vais faire caca. Très bien. C'est parfait. Compte et sur moi pour faire tes fermetures. Bon caca. Au revoir. Bien. Merci.